éviter les bagarres. Donc c'est tout, ça y est. Ça y est, c'est bon, tout le monde est rentré. Ça y est, c'est bon. Là, il y avait encore quelques places. Oui, bon, ben voilà. Une dizaine de places. Bonjour à tous. Alors, je suis Bénédicte Berner. Je dirige le campus de l'innovation pour les lycées. Et je vous souhaite à tous vraiment la bienvenue, ceux qui sont en présentiel ici dans cet amphithéâtre du Collège de France, et puis aussi à tous ceux qui nous suivent par YouTube, alors tous les enseignants et tous les lycéens. Alors, l'idée de ce colloque, vous savez, il a été conjointement conçu par donc, le campus de l'innovation pour les lycées et par le pôle égalité des chances de Sciences Po. Et l'idée, c'est finalement de dialoguer et de poser certaines questions qui sont essentielles pour l'intelligence artificielle. Alors, vous savez qu'il y a de nombreux professionnels maintenant qui s'inquiètent finalement que leurs métiers vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si à quel point vous avez suivi finalement la longue grève de 6 mois qui a eu lieu à Hollywood par les scénaristes. Qui avaient effectivement peur, c'est eux, vous savez, qui écrivent les scripts des séries et des films d'Hollywood, et ils avaient peur, effectivement, que l'intelligence artificielle vraiment affecte leur métier. Alors, la grève a pris fin, ils ont trouvé un accord avec les studios, et ce qui est intéressant, c'est que dans cet accord, il y a notamment une clause au sujet de l'intelligence artificielle. Et si vous voulez, cette clause dit que même si l'idée du script est générée initialement par l'intelligence artificielle, à partir du moment où ces scénaristes retravaillent, eux, le script, eh bien, ils vont garder le droit d'être l'auteur unique et leur rémunération. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se discutent à ce niveau-là. Ce colloque va également poser la question de la gestion des risques et quelle va être la gouvernance, qu'est-ce qu'on peut trouver comme gouvernance pour l'intelligence artificielle, le problème de nos données personnelles, hein, de garder l'intégrité de nos données personnelles, comment est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle dans des élections, par exemple. Donc ce sont des questions essentielles et qui sont très importantes pour nos systèmes, nos démocraties, le bon fonctionnement de nos démocraties. Parce que comme vous savez, la technologie, l'usage de la technologie n'est pas neutre. Il y a des grands acteurs occidentaux, les principaux sont bien sûr les acteurs américains, Meta, Google, Microsoft, et puis vous avez aussi des acteurs chinois, et chacun a son idéologie. Donc les intelligences artificielles, ce sont vraiment des outils de puissance. Et c'est vraiment de tout ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et je vous encourage vraiment à poser des questions aux intervenants. Vous avez un panel ici formidable, donc profitez-en. Alors, avant de passer la parole à Karine Aurélia, qui est donc directrice déléguée du pôle égalité des chances de Sciences Po, on va vous passer un petit film de 3 minutes sur le Collège de France et le campus de l'innovation pour les lycées. Comme ça, vous allez vous familiariser un petit peu avec les lieux dans lesquels vous vous trouvez aujourd'hui. Enfin, le Collège de France a quand même un monument historique, disons, de l'excellence académique. Et comme ça, vous allez comprendre un petit peu aussi ce que fait le campus. Alors, je vous souhaite une très, très belle après-midi avec de beaux échanges avec nos intervenants. Merci. Le Collège de France est une institution qui a été fondée en 1530 par François Ier. Et l'objet de cette création, c'est de permettre la diffusion de savoir en train de se faire, voilà, la recherche au plus haut niveau. Moi, je suis titulaire de la chaire Institution, Innovation et Croissance. Ici, on a un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'innovation, Innovation Lab. Donc, j'ai des jeunes chercheurs avec moi et on travaille sur les déterminants de l'innovation, la dynamique des entreprises, le lien avec les inégalités, avec la distribution des revenus, avec la mobilité sociale, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est recherche. Et puis, il y a un autre volet qui est le campus de l'innovation. Et l'idée du campus, c'est vraiment de pousser la vocation du Collège de France dans les lycées et collèges de zones défavorisées. Donc, on a commencé par mettre en place un programme en économie, en SES, sciences économiques et sociales. On a dirigé un groupe qui a
refaçonner complètement les programmes d'économie. Donc maintenant, l'économie dans le secondaire est enseignée tout à fait autrement. On a créé des nouveaux programmes et ça a commencé ici au collège, c'est ici au campus de l'innovation. Cette démarche vis-à-vis des jeunes, c'est de les aider à démystifier le savoir académique, c'est quelque chose qui ne leur fasse pas peur. En général, le savoir, on a l'impression que c'est quelque chose de figé. Et là, l'idée, c'est de dire, mais non, le savoir est produit par des gens qui doutent et qui se remettent en question. Et donc, quand ils ont cette approche-là au savoir, eh bien, ça rend le savoir beaucoup plus accessible, finalement. Ça rapproche énormément l'enseignant de l'enseigné, le savoir de l'élève. C'est vraiment l'idée que les élèves de lycée de collège se disent, ben non, avec ça, avec le Collège de France, je peux arriver où je veux, si je travaille, si je suis motivé, eh bien, tout m'est ouvert. Voilà, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire avec le campus de l'innovation. Le campus organise des visites du Collège de France pour les élèves et les enseignants. Alors, ça permet aux visiteurs, en fait, de rencontrer, de parler avec les étudiants qui travaillent au laboratoire d'innovation de Philippe Aguillon. Le campus, c'est aussi notre équipe, une équipe qui est composée d'une dizaine de professeurs liés au Collège de France en SVT et en SES. Et en fait, ils se rendent dans les lycées pour parler de leur spécialité. Alors, comme le cas, par exemple, de Philippe Aguillon, qui parle de la croissance, de l'innovation, des changements climatiques, ou de Yves Agide, qui peut parler du cerveau. Donc, nous sommes rendus à ce jour dans près de 50 villes en France. On a réalisé presque 150 interventions et vous en retrouverez une partie en replay sur notre chaîne YouTube. Le collège a également un site et ce site, en fait, a beaucoup de matériel pédagogique en SVT, mais surtout en SES. Pour accompagner ces cours, nous avons lancé un concours. L'inscription se fait en mois de septembre. Le prix est remis au Collège de France par donc Marc Montousset, qui est l'inspecteur général en SES, et Philippe Aguillon. Donc aujourd'hui, notre chaîne YouTube compte plus d'une centaine de vidéos dédiées à la révision des notions de SVT, d'économie. D'ailleurs, vous pouvez également retrouver des séries telles que Elconomics, qui vous propose de maîtriser les grandes notions économiques, quel que soit votre niveau. Nous avons aussi réalisé une série de 4 vidéos thématiques pour comprendre les grands enjeux du monde grâce aux mathématiques. On est aussi présent sur TikTok et Instagram, où l'on propose plus de contenu ludique en économie. Tout ce matériel pédagogique est disponible gratuitement sur notre site, où vous pourrez également retrouver toutes les actualités du campus. Et c'est également sur ce site que vous trouverez le lien d'inscription du concours des SES si vous êtes en première. On espère vous voir très prochainement au campus de l'innovation pour les lycées. Bonjour à tous et à toutes, je suis Karine Aurélia, je suis directrice déléguée à l'égalité des chances à Sciences Po. Donc je m'associe aux remerciements de Bénédicte Werner. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans ce lieu emblématique et je remercie également celles et ceux qui nous suivent à distance parce que je sais qu'ils sont nombreux. Un bon nombre d'académies, de métropoles et d'outre-mer sont représentées aujourd'hui. Et donc, je les remercie sincèrement d'avoir, malgré les décalages horaires, avoir pu participer à cette conférence. L'intelligence artificielle est sans conteste l'un des objets les plus médiatiques de ces derniers mois. Et je me réjouis que vous, lycéens et enseignants des partenaires de Sciences Po et de Campus pour l'innovation, puissent vraiment bénéficier d'analyses fines sur le sujet. Et je m'adresse tout particulièrement aux lycéens et lycéennes, vous qui êtes la génération témoin de l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société. Donc, un conseil. Saisissez l'opportunité de prendre part activement à cette conférence. Saisissez l'opportunité de faire preuve de curiosité intellectuelle. Et surtout, ne pas hésiter à poser toutes vos questions. Et vous allez pouvoir ensuite, dans les ateliers Premier Campus, continuer ce débat qui promet d'être riche. Donc cet événement s'inscrit pleinement dans la philosophie des ateliers Premier Campus de Sciences Po, puisqu'il va vraiment vous permettre d'avoir un retour réflexif et va vous permettre également de penser de nouvelles pratiques numériques et pédagogiques. Plus encore qu'un sujet médiatique, il s'agit d'un objet à apprivoiser éthiquement, au service du savoir. Très tôt, Sciences Po s'est saisie de la question pour en débattre et permettre de penser une pratique vertueuse. Donc, je remercie donc à cet égard tous les enseignants-chercheurs
ici présents, donc Monsieur Philippe Aguillon, Madame Verniol, Monsieur Benoît Sagot, Monsieur Xavier Leroy, Monsieur Bonneton et Sarah Nicole qui est présente pour la modération. Donc vraiment, je vous souhaite à tous et à toutes une conférence inspirante et merci de votre attention. Merci beaucoup Bénédicte et merci Karine. J'espère que vous allez bien. Ouais ? Cool. Ne vous dites pas que parce que vous êtes dans une salle impressionnante avec un panel impressionnant que ça va être un moment très chiant. Parce que je voudrais savoir, juste en levant la main là ici, qui a déjà utilisé ChatGPT ? Merci. Maintenant, qui a déjà utilisé ChatGPT pour ses devoirs ? Alors, la conférence promet d'être passionnante parce que ce sont des sujets dont on va traiter et on a déjà expliqué à quel point l'intelligence artificielle et en fait même d'autres technologies vont avoir un impact important sur vos vies, sur nos vies à tous et sur la vie de la société en général. Je vais rapidement me présenter parce que en fait, je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui pour une bonne raison, c'est qu'il y a quelques années, j'étais à votre place. Je viens de Sevran dans le 93. Ouais, je vois des hochements de tête. grâce en fait à un professeur, parce que je n'avais pas connaissance de tous ces magnifiques dispositifs, j'ai pu rentrer à Sciences Po, mais vraiment par le plus grand des hasards. Et je suis ravie de voir aujourd'hui qu'on n'est plus uniquement à se reposer sur le hasard pour pouvoir faire des grandes études et pour avoir la possibilité d'être autre chose que ce à quoi on nous destine. Donc prenez toute l'importance de ce panel aujourd'hui et des autres activités. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Graines d'Orateur 93, qui a été fondée en 2015, donc pour un moment où on rentrait à Sciences Po, parce qu'on s'est rendu compte qu'à diplôme égaux et à compétences égales, c'est vraiment la capacité à s'exprimer en public qui faisait la différence lors des entretiens d'embauche, lors d'absolument tout. Donc si ça vous intéresse, je serais ravie de vous en parler. Et je suis également associée en politique et recherche à l'Institut Project Liberty, qui est un institut qui est basé à Sciences Po, mais qui est aussi basé aux États-Unis, à Georgetown et à Stanford, et qui parle justement du développement éthique de ces nouvelles technologies. Et donc, en fait, on rassemble des gens de tout horizon, à la fois des académiques, à la fois du business, à la fois des gens de la société civile, et on essaye de voir comment trouver des solutions soutenables pour le développement de technologies qui font peur. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les personnes qui sont avec moi sur ce panel aujourd'hui, des vrais experts que vous avez la chance de pouvoir voir. Alors, il y a, dans un premier temps, tout à votre droite, il y a Philippe Aguillon, qui est professeur au Collège de France et à la chaire Économie des institutions de l'innovation et de la croissance, que vous avez même pu voir en vidéo. Il y a Xavier Leroy, juste à côté, qui est professeur au Collège de France et à la chaire Sciences du logiciel. Il y a Suzanne Verniol, qui est maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers. Benoît Sagot, directeur de recherche à l'INRIA et professeur invité à occuper la chaire annuelle, ici même au Collège de France, informatique et sciences numériques. Et enfin, juste à ma droite, il y a Jean-François Bonnefond, qui est chercheur à la Toulouse School of Economics. Le but de ce panel-là, c'est vraiment que vous preniez la parole, c'est vraiment que vous posiez vos questions, que vous vous appropriez ce moment. Donc, dans un premier temps, on va avoir des présentations de ces personnes extraordinaires à mes côtés, qui vont parler pendant une quinzaine de minutes, grand maximum. Et après, ce sera à nous de rentrer dans un débat, de rentrer dans un questionnement de ce qui a été dit. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, au contraire. Et dans un premier temps, du coup, je vais appeler Philippe Aguillon pour la première présentation, sous vos applaudissements, évidemment. Merci beaucoup. Merci à Bénédicte et à vous-même d'avoir donc organisé ce colloque et à vous tous d'être là et aux participants prestigieux.
Oui, je vais me mettre dans le micro. Moi, le problème, c'est en général, comme je bouge, je me mettre dans un point fixe avec un micro fixe. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu de la relation entre l'IA et l'économie, très modestement, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'études sur l'impact économique de l'intelligence artificielle. Il y a des études sur l'impact économique de la robotisation, de l'automatisation, de la révolution des technologies de l'information, mais on a encore peu d'études sur l'impact de l'intelligence artificielle. Mais on peut quand même, à partir de là, il commence à y avoir des études qui semblent confirmer certaines choses. Voilà. Mais c'est tourné au tout début. Alors d'abord, je vais me présenter. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la théorie de la croissance et j'ai développé avec un collègue qui s'appelle Peter Howitt, canadien. On a commencé en 87 et on a développé ensemble un modèle de croissance que j'en dis schumpeterien, parce qu'il inclut l'idée de destruction créatrice, l'idée que toute innovation rend les innovations qui ont précédé obsolètes. Donc l'idée repose sur le modèle repose sur trois idées de base. La croissance, en fait, de long terme, résulte de l'innovation. Chaque innovation améliore par rapport à ce qui se faisait avant. Il y a d'autres modèles où la croissance est basée sur l'accumulation de capital. Chez nous, c'est vraiment l'innovation qui est le moteur de la croissance. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel. Elle provient des entrepreneurs qui investissent dans l'innovation. Il y a des chercheurs, mais des entrepreneurs. Et ils investissent dans l'innovation parce qu'ils espèrent retirer une rente de l'innovation. Voilà, je produis un meilleur produit, un nouveau produit, je produis moins cher que les autres, ça me donne en tout cas pendant un certain temps une rente de monopole temporaire jusqu'à ce que quelqu'un fasse mieux que moi. Et c'est la perspective de ces rentes qui m'incite à investir dans l'innovation, de faire de la recherche-développement, etc. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, qui est que les nouvelles innovations rendent obsolètes les anciennes technologies. Quand il y a eu l'ordinateur, les laptops, les machines à écrire ont disparu. Et c'est sans arrêt comme ça. Et au cœur de ce modèle, il y a une contradiction, parce que d'un côté, on veut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu'ils ne veulent pas être, eux, sujets à la destruction créatrice. Et donc, au cœur du processus de croissance, il y a ce conflit, et on va le voir à nouveau à propos de l'IA. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à l'IA. On peut dire que l'IA, c'est la capacité d'une machine d'imiter l'intelligence humaine. Et l'IA, par rapport à... Il y a eu d'autres épisodes avant l'intelligence artificielle d'automatisation des tâches. L'électricité a permis de créer des chaînes, la révolution d'éthique. Chaque grande révolution, rien que la première révolution de la machine à vapeur, permettait de remplacer des hommes par des machines. Dans toutes les grandes révolutions technologiques, c'était de l'automatisation. Mais ce qui est particulier avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle automatise des tâches dont on pensait qu'elles ne pourraient jamais être automatisées. Par exemple, la conduite de voiture ou les prescriptions médicales. Donc ça remplace, et donc la peur évidemment, c'est que même les métiers les plus qualifiés deviennent redondants à cause de l'intelligence artificielle. Et tout le défi, c'est que l'intelligence artificielle, plutôt que de vous remplacer, ça soit un moteur qui vous aide. Donc comment on fait que l'intelligence artificielle, au contraire, augmente les capacités humaines plutôt que de remplacer les capacités humaines, d'accord ? Donc voilà. Alors les grandes questions qu'on peut se poser, mais il y en a beaucoup sur l'économie, c'est quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la croissance ? Et quel est l'impact sur l'emploi ? Alors je vais commencer par la croissance, d'accord ? Donc en fait, pourquoi l'intelligence artificielle a le potentiel d'augmenter la croissance ? Parce que, en fait, elle remplace un input qui est un entrant de production qui est en offre limitée, qui est le travail. Si vous avez vu des modèles de croissance comme Solo ou d'autres, vous voyez qu'il y a un facteur limitant qui est là, qui est l'offre de travail. Et ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet de remplacer, ou en tout cas d'utiliser, sur le même plan que le travail, un entrant reproductible qui est du capital, en fait. Et le capital, vous pouvez en produire autant que vous voulez. La population, elle est limitée. D'ailleurs, on voit bien qu'on a des problèmes démographiques. La démographie en Europe, elle est occupée à baisser. Mais voyez, là, l'intelligence artificielle permet de contrecarrer ça, puisqu'on vous dit, mais oui, mais on peut remplacer, pas ou remplacer ou compléter l'entrant humain par des machines. D'accord ? Donc ça, rien que ça, c'est un facteur de croissance.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire ça, on peut remplacer ou compléter des hommes par des machines, pas seulement dans la production de biens, c'est là où l'IA va plus loin que les révolutions technologiques d'avant, c'est que ça permet de remplacer le travail par du capital, pas seulement dans la production de biens, mais également dans la production d'idées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée la productivité ? La productivité vient parce qu'on a de nouvelles idées, c'est les innovations. Eh bien, même dans la production de nouvelles idées, on peut remplacer ou on peut utiliser du capital. Et c'est ça, vraiment, l'intelligence artificielle en économie. C'est vraiment l'idée que, eh bien, on peut, du coup, accélérer la croissance. On peut même arriver à des phénomènes... Alors, il y a une crainte, évidemment, c'est que ça rende tout le monde redondant. C'est ce qu'on appelle le risque existentiel. Alors, peut-être qu'on discutera tout à l'heure de... Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce risque existentiel de l'intelligence artificielle, parce que ça risque de nous rendre tous redondants. Mais l'idée, c'est de dire non. Plutôt que de nous rendre redondants, c'est des moteurs de recherche qui nous aident. Par exemple, ChatGPT ne peut pas inventer de nouvelles choses. Mais ChatGPT peut être un outil. Et donc, la question, c'est savoir comment faire que l'IA soit un outil plutôt que de nous remplacer. D'accord ? Et alors, évidemment, on peut se dire, bah, du coup, en théorie, l'intelligence artificielle a le potentiel d'accélérer la croissance, qui est très important parce que vous voyez, depuis, aux États-Unis, depuis le début des années 2000, la croissance a décliné. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En Europe, la croissance, elle est faible. Et donc l'espoir, c'est que l'intelligence artificielle dope la croissance, permette d'avoir beaucoup plus de croissance, et peut-être la croissance verte, évidemment, on aimerait avoir, d'accord ? Mais est-ce que c'est forcément le cas ? Et là, je voudrais juste avancer une idée, c'est que la croissance, ça dépend pas seulement de la technologie, ça dépend de comment la technologie se conjugue avec les institutions. Et je veux être très concret là-dessus. Aux États-Unis, on a vu que la croissance, là vous avez la croissance moyenne de la productivité aux États-Unis sur trois périodes. Vous voyez qu'il y a le bâton du milieu est plus haut que les deux autres bâtons. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une accélération de la croissance américaine entre 1995 et 2005. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la révolution d'éthique, des technologies de l'information. Et ça a fait que, eh bien, un certain nombre d'entreprises très productives ont pu se développer. Donc, au début, c'était très bien. Et on a vu Google, Microsoft, Walmart, Facebook, etc., se développer. Et ça a dopé la croissance américaine. D'accord ? Donc, ça, c'était très bien. Mais vous voyez que depuis 2005, la croissance américaine de la productivité s'est mise à baisser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, et c'est là que les institutions, ça compte énormément, c'est que ces GAFAM, ces grosses entreprises superstars, au début, elles ont stimulé la croissance américaine, mais elles ont fini par l'inhiber parce qu'elles ont découragé l'entrée de firmes qui n'étaient pas des firmes superstars. Elles ont réussi, à travers des fusions-acquisitions, à devenir de grands conglomérats, et de décourager l'entrée. Et si on regarde, je ne veux pas vous embêter avec des figures, ça c'est les figures de l'entrée de nouvelles entreprises, et vous voyez que depuis le début des années 2000, de différentes tailles, l'entrée de nouvelles entreprises aux États-Unis baisse. Et c'est ça qui a fait baisser la croissance. Donc ces entreprises, au début, elles ont dopé la croissance, mais elles sont devenues tellement grosses, elles ont découragé l'entrée d'autres firmes innovantes. Et la crainte avec l'intelligence artificielle, c'est que le même phénomène, d'ailleurs, c'est les mêmes acteurs qui dirigent, qui dominent, c'est Google et Microsoft qui dominent l'intelligence artificielle aux États-Unis. Et la crainte, c'est que ça exacerbe leur pouvoir de monopole et que ça donc exacerbe leur capacité d'inhiber l'entrée. Donc ce qu'il faut aux États-Unis, c'est faire la chose suivante. D'abord, il faut réformer les politiques de concurrence, c'est-à-dire de dire, eh bien, si vous êtes trop gros, on va vous casser en morceaux, ou bien on vous empêchera de faire des fusions-acquisitions sans limite, sans s'inquiéter des effets que la fusion-acquisition a sur l'innovation future. Donc déjà, une première chose à faire aux États-Unis, mais c'est un peu vrai en France, c'est de réformer la politique de concurrence. Peut-être qu'on en parlera. La deuxième chose, c'est la politique industrielle. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont fait l'IRA, la Inflation Reduction Act. Ils sont très actifs sur la politique industrielle. Les Chinois aussi. Les Européens, c'est un désastre. Un peu de France 2030 en France, mais l'Europe est un géant réglementaire et un nain budgétaire. L'Europe, ça ne va pas du tout. L'Europe est en train de décliner gravement. Et ils pensent qu'avec juste des réformes structurelles et des normes, ils vont concurrencer les États-Unis et la Chine. C'est une folie.
Donc il faut la politique de concurrence et il faut la politique industrielle. C'est très important. Et il faut l'éducation, la formation. Tout ça, c'est évidemment très important. Voilà, ça c'est des... Et pour, quand on fait, voilà, donc ça, c'est un, ce qu'il faut pour essayer de contrecarrer les mauvais effets possibles de l'intelligence. Donc l'intelligence artificielle a un pouvoir de... un potentiel de croissance énorme, mais avec de mauvaises institutions, ça ne va pas marcher, quoi. D'accord ? Il faut concurrence, politique industrielle, formation, et donc il faut que tout ça soit là pour donner son potentiel et que, à l'intelligence artificielle. Je voudrais terminer, parce qu'il me reste quoi, 5 minutes ? Combien il me reste ? 5 minutes, tout pile. Il me reste 5 minutes. Je voudrais dire un mot sur l'effet sur l'emploi. Comment l'intelligence artificielle affecte-t-elle l'emploi ? Alors, il y a eu cette idée, beaucoup en France, qu'il fallait taxer les robots. Parce qu'on disait, ben voilà, les robots remplacent les êtres humains, et donc, il faut les taxer, parce que sinon, l'emploi est menacé. Mais voyez, historiquement, il y avait déjà, quand il y a eu la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, il y a eu le mouvement des Luddites, des Luddites en Angleterre, qui était un mouvement... de travailleurs qui avaient peur de devenir chômeurs à cause de la machine à vapeur. Et puis finalement, il n'y a jamais eu de chômage de masse à cause de la révolution de la machine à vapeur. Quand il y a eu ensuite la révolution de l'électricité aux États-Unis d'abord dans les années 1920, Keynes, qui est un grand monsieur en économie, lui craignait un chômage de masse à cause de la révolution de l'électricité. Il n'y a pas eu de chômage de masse. Et pourquoi il n'y a pas ? Et là, les robots, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe sur les robots ? Là, on montre une entreprise... l'emploi dans une entreprise qui robotise. Et vous voyez, au temps zéro, ça se passe la robotisation. Et vous voyez que l'emploi augmente. Ça augmente l'emploi dans cette entreprise. Et ça, c'est en moyenne sur toutes les entreprises françaises. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que la robotisation ou l'automatisation ait augmenté l'emploi ? C'est vrai que les machines remplacent en partie les hommes, mais il y a un effet de productivité qui est beaucoup plus fort. Qu'est-ce que c'est que cet effet de productivité ? C'est que quand j'automatise, que je mets de l'IA ou d'éthique, je deviens plus productif, donc je peux produire des biens qui coûtent moins cher ou de meilleure qualité, donc j'augmente la demande mondiale pour mes biens, et donc j'ai beaucoup plus de commandes, et donc j'embauche beaucoup plus. Et cet effet-là l'emporte largement sur l'effet de substitution de capital au travail. Alors évidemment, d'autant plus s'il y a de l'éducation dans mon pays, etc., je peux augmenter encore le côté positif de l'IA ou d'éthique sur l'emploi en ayant un bon système éducatif, un bon système de formation. Mais c'est très intéressant, si je me mets à taxer les robots, je me tire une balle dans le pied, parce que taxer les robots, c'est décourager les firmes d'automatiser, ce qui va les empêcher de devenir plus productives, ce qui va donc les empêcher d'avoir un marché mondial plus important et donc d'embaucher. Vous voyez, c'est intéressant comment les politiques peuvent être... Mais qu'est-ce qu'il faut pour que... quel est le gros problème de l'IA et de l'emploi ? Ce qu'on veut, c'est que ce n'est pas seulement qu'il y ait l'emploi qui augmente, mais que les gens soient plus heureux au travail. Et on sait que c'est très important que les gens puissent interagir entre eux dans l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les bons jobs. Les bons jobs, c'est des jobs qui vous permettent de vous épanouir au travail. Pas seulement de répondre à votre chef, d'interagir avec les autres, de diriger des équipes. Et donc tout le défi, c'est que l'intelligence artificielle, au lieu d'isoler les gens dans l'entreprise, elle permette au contraire de développer des relations avec les autres dans l'entreprise pour mettre en valeur. Vous voyez, il y a les qualifications qu'on acquiert à l'école, mais il y a les qualifications qu'on acquiert dans l'entreprise, justement, dans sa façon de coordonner des équipes, de prendre des initiatives dans l'entreprise, de se coordonner avec les autres. Et tout le défi, c'est que l'IA a le potentiel de développer ça. Et en fait, il y a eu des études déjà qui montrent que l'IA tend à augmenter la satisfaction au travail. Donc il faut voir comment elle le fait. Et l'IA a le potentiel de le faire, mais elle peut aussi avoir le potentiel de créer des jobs uniquement Burger King versus les gens très qualifiés. Donc à nouveau, selon la manière dont on organise le système éducatif, école, entreprise, et dont on utilise l'IA comme instrument d'interaction et de formation, eh bien, on peut faire que l'IA non seulement augmente l'emploi, mais l'intelligence artificielle, mais également créer des emplois de bonne qualité où les gens sont heureux. En France, pourquoi les gens étaient très pressés de partir à la retraite ? Parce que c'est un pays où, en moyenne, les gens ne sont pas heureux au travail. Il y a une mauvaise culture de la relation au travail. Et moi, mon espoir, c'est qu'il faut une utilisation intelligente de l'IA permettrait justement de rendre les gens plus heureux au travail et donc de vouloir travailler plus longtemps. Et ça sera à la fois un facteur souhaitable en soi et en même temps un facteur de croissance. Voilà, donc je conclue parce que je suis arrivé au bout. Pour résumer,
pour résumer, l'IA a un potentiel formidable de créer des emplois, de créer de la croissance, de créer du bonheur au travail, mais il faut évidemment que les institutions s'adaptent, la politique de concurrence, la politique industrielle, la politique éducative, la politique de marché du travail. Quand on perd son job, il y a des pays, quand tu perds ton travail, tu es malheureux parce que tu te trouves perdu. Puis tu as des pays comme le Danemark, quand tu perds ton travail, on te prend en main, on te garantit ton salaire, on te forme pendant 2 ans pour rebondir sur un nouveau job. Et donc, il faut également réformer nos institutions du marché du travail. Si on a de bonnes institutions de marché du travail, une bonne loi de politique de concurrence, une bonne politique industrielle, une bonne politique de formation, eh bien, l'IA sera un atout. Si on n'a pas ces institutions-là, l'IA peut devenir un gros problème pour nous. Voilà. Merci beaucoup. J'ai compris. Est-ce qu'il y a des lycéens dans la salle qui veulent ouvrir le bal avec des questions ? Ouais. Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut faire passer ? Ah voilà, merci. Elle était où la question ? Il y a même deux micros en fait. Du coup, bonjour à vous. Je m'appelle Léna Mandalaz et du coup, je suis du lycée Maurice Utriot. J'aimerais vous demander quelque chose. C'est que, par exemple, l'un de mes projets à venir, c'est d'être comédienne de doublage. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de menaces comme quoi l'IA pourrait arrêter le travail des comédiens de doublage, sachant que ce milieu est déjà très renfermé pour plusieurs personnes. Est-ce que, du coup, vous disiez comme quoi ça pouvait assembler des personnes, si je comprends bien ? Enfin... Je pense que l'IA, il faut faire en sorte que l'IA soit un outil qui permette d'améliorer la qualité du travail. Vous voyez, au lieu de dire « je remplace des doubleurs de films par de l'IA », peut-être l'IA peut être un outil qui permet d'améliorer sa performance humaine en doublage de films. Vous voyez, c'est ça. Et je pense que là, l'État a un rôle à jouer en pénalisant les entreprises qui n'emploient plus et en contraire en récompensant les entreprises qui permettent à l'IA de jouer ce rôle, voyez. Donc c'est voilà. Alors je dis pas qu'il faut être là, être voyez un commissaire politique à l'égard des entreprises, mais je pense qu'il y a un rôle à jouer pour encourager les entreprises à en tout cas donner la possibilité, voilà, à introduire l'IA comme quelque chose qui, comme exactement le ChatGPT. Le ChatGPT ne va pas remplacer le fait d'écrire une dissertation sur un sujet, mais ça peut être un outil. C'est un outil comme un autre, comme Wikipédia. On va sur Wikipédia, ça nous aide, mais on ne recopie pas Wikipédia. Et je pense qu'on peut faire la même chose. L'IA a vocation à être. Alors maintenant, il se peut qu'il y ait certains métiers. Par exemple, c'est vrai que quand il y a eu la révolution d'éthique, il y avait par exemple beaucoup d'entreprises où il y avait des niveaux moyens, c'est de gens qui étaient des contremaîtres, par exemple. Donc ça a fait beaucoup disparaître. Il y a moins de contremaîtres qu'avant. Les firmes tendent à être moins hiérarchiques qu'elles étaient avant. Parce que les progrès, la révolution de l'Internet et la révolution de technologies de l'information a permis de... Mais à ce moment-là, on peut reconvertir. On peut dire, voilà, vous êtes un contremaître, mais vous avez une qualification. On va vous permettre de vous former pour rebondir sur autre chose, qui utilise vos qualifications. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on doit faire le même métier toute sa vie. Mais il faut d'abord au maximum que l'IA assiste et aide à l'excellence dans le métier que vous faites. Et puis s'il y a des métiers comme contremaître, etc., qui deviennent en partie redondants, ces gens-là ont en tout cas un rôle à jouer, par exemple d'enseignement, de transmission de savoir. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une culture pour que les gens puissent rebondir ou modifier leur travail ou rebondir sur un nouveau travail. Et donc, et je pense que l'État a un rôle à jouer pour récompenser les entreprises qui font ça, quoi. Voilà. Et au contraire, voilà. Il y a beaucoup d'aides aux entreprises qui sont données. Elles devraient être contingentes au fait que les entreprises donnent ce qu'on appelle des good jobs, c'est-à-dire des jobs qui durent longtemps et qui donnent des perspectives de promotion et d'augmentation de salaire le long de la carrière. Je pense que c'est très important que l'État intervienne dans ces domaines. Vous pensez qu'il devrait être libre au public parce que, comme on peut le voir par exemple sur certains réseaux sociaux, on peut prendre des célébrités et changer leur voix. Enfin,
Alors là, là, ça va être ça. Là, je ne vais pas répondre à cette question parce que j'ai ma voisine qui est beaucoup plus qualifiée que moi pour y répondre. Je pense que ça doit être régulé. Je crois beaucoup dans la régulation. Et donc en plus, on a une question là-bas, il y en a une ici et puis une là-bas. Donc. D'accord. Est-ce qu'on peut passer le micro ? Tout le sujet, c'est qu'il faut des normes, mais il ne faut pas que la norme empêche l'innovation. Donc, il faut permettre l'innovation, mais en même temps, les normes sont très importantes. Pour pas que l'innovation parte dans la mauvaise direction. Donc ça, il faut mettre les deux, quoi. Il faut investir et innover, et en même temps réguler. Et il faut que les deux s'harmonisent. Bonjour, oui. Je m'appelle Ryan Bailey, du lycée Newton Unrea Clichy. Et donc, j'aimerais poser une question. On sait que l'IA crée des emplois, mais en même temps, il détruit des emplois. Oui. Il suffit, par exemple, d'aller dans les supermarchés. Absolument. Pour voir l'apparition de caisses automatiques. Voilà. Et donc, j'ai une question à vous poser. Donc, quelles options pour ces personnes qui perdent leurs emplois, donc par exemple les caissiers, tout en sachant qu'il faut des qualités pour pouvoir développer ces nouvelles technologies. Merci. Ben, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment des formations. Il faut les préparer à rebondir sur de nouveaux emplois. Voilà. Et je pense que c'est là que... Pour moi, le Danemark était... Je ne dis pas qu'il faut copier le Danemark, mais ils ont trouvé un modèle. Quand on perd son emploi au Danemark, on sait qu'il y a effet zéro sur le stress et pas d'effet négatif sur la santé des gens. Parce qu'ils ont un système qui permet aux gens de rebondir. Voilà. Et nous ne l'avons pas encore en France. Et alors, aux États-Unis, c'est désastreux. Là, c'est vraiment le absolument catastrophique dans ce domaine. Mais je pense qu'il faut organiser le marché du travail, ce qu'on appelle une vraie flexisécurité, mais avec une vraie intervention dans la formation... je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup. On a le micro qui a déjà pour une question, et puis il y a une question juste ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Chimoko Dembélé. Je viens aussi du lycée Newton à Clichy. Et ma question, ce serait, quelle est la meilleure solution pour que les entreprises acceptent de continuer à employer des personnes, même si l'IA... peut les remplacer ou les rend plus dispensables. Est-ce qu'il faut mieux les réglementer en les punissant ou alors les appâter en leur donnant de l'argent, justement ? Je crois que la punition n'est jamais l'idéal. Moi, je suis plutôt pour l'incitation, quoi. Alors, s'il y a des comportements de voyous, comme on dit, il faut les sanctionner. Mais je crois beaucoup dans l'incitation. Comme on donne beaucoup d'argent aux entreprises, comme l'État aide énormément les entreprises, je crois beaucoup dans l'outil incitatif. Vraiment, l'idée de dire, vous créez des good jobs. Si vous créez trop de jobs qui ne sont pas... Voilà, vous prenez des CDD et vous ne gardez pas les gens. Si, par exemple, vous donnez des bonnes perspectives de carrière, etc. Et ça, maintenant que ça commence à se mesurer, on fait des sondages, on connaît. Je pense que ça doit être récompensé. Je pense que, voilà, il faut... De la même manière que les entreprises qui polluent doivent pas... Voilà, qu'on veut aider les entreprises qui innovent et produisent dans les technologies vertes. C'est la même chose. On dirige l'innovation. Ce n'est pas qu'on oblige, tu fais ça et pas ça, mais tu peux inciter, tu peux diriger l'innovation dans le sens d'innovation verte pour l'environnement et également d'innovation qui avec une culture du travail qui soit celle d'un respect et d'une mise en valeur de l'individu au travail. Et je crois notamment qu'on peut beaucoup développer la démocratie dans l'entreprise grâce à l'IA. Je pense que l'IA peut être un outil qui permet aux gens d'être beaucoup mieux informés et donc de développer la démocratie dans l'entreprise. Vous savez qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de démocratie. Les employés participent beaucoup plus au conseil d'administration, etc., qu'en France. En France, en général, il y a une culture, on n'explique jamais aux employés ce qui se passe, quoi. Il y a un livre célèbre qui s'appelle « L'établi » de Robert Linhart, qui était un livre des années 60. Voilà, on veut l'anti-établi, quoi. Tu vois, alors le livre est magnifique. Mais en France, c'est beaucoup comme ça que ça marche, quoi. Et dans les pays scandinaves ou même l'Allemagne, ça ne marche pas comme ça. On explique aux gens, on traite les employés comme des êtres humains à part entière. On leur explique, on les fait participer à la vie de l'entreprise. Et l'IA doit être un outil qui permet de développer cette participation. Merci beaucoup. Alors, la question ici, il y a une main qui s'est levée tout à l'heure, c'est toujours bon. Donc il y aura cette question et après il y a une personne toute à l'autre bout de la salle, donc en blanc là-bas. Bonjour, m'appelle Audrey. Ici. Oui, je vous vois. Je m'appelle Audrey, je suis au lycée René Auffray à Clichy et je voudrais vous poser une question par rapport à la croissance, parce que vous nous dites que la croissance, plus elle augmente, mieux c'est. Il se trouve qu'aujourd'hui il y a un enjeu
qu'on peut pas nier, c'est l'écologie au sein de la planète. Voilà. Et il y a certains économistes qui sont plus pour cette décroissance parce que plus on produit, plus on surconsomme, et notre système économique est aujourd'hui basé sur ça, c'est le but du capitalisme. Et c'est un peu contradictoire en se disant on va protéger notre planète alors que on continue de surproduire et finalement ça nous sert à rien. Oui. Alors je vais répondre là-dessus. Évidemment, je m'attendais à cette question. Donc d'abord, il y a effectivement historiquement l'augmentation de température est totalement liée à la croissance. C'est exactement historiquement quand la croissance s'est mise à décoller mondialement en 1820 que la température s'est mise à décoller. Donc historiquement, vous avez parfaitement raison. La croissance a tout à voir avec l'augmentation de la température. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à avant 1820 ? Non, parce qu'on vit quand même beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps en bonne santé. On a eu une expérience de décroissance, ça a été le premier confinement, notamment, entre mars et mai, juin 2020. Le PIB français a baissé de 35% et les émissions de CO2 de 8%. Bon, mais ça a créé... On était obligés, il n'y avait pas les vaccins, etc. Mais vous savez les dégâts que ça a causé, notamment sur les jeunes. Est-ce qu'on veut être en permanence en premier confinement ? Non. L'idée, ce n'est pas la croissance du PIB en termes matériels, c'est la croissance de ce qu'on appelle les utils, c'est la croissance de la qualité de vie. Mais vous avez raison, cette croissance doit être pro-environnement. Alors comment vous la rendez pro-environnement ? Ben, nos habitudes, bien sûr. Il faut que nous, dans la manière de nous chauffer, le triage des ordures, on doit changer nos modes de consommation. Donc vous avez absolument raison, il faut innover nous-mêmes d'abord. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi d'autres marges qui permettent de concilier amélioration de la qualité de la vie, c'est ça que je vois quand la croissance, c'est la qualité de la vie, et lutte contre le réchauffement climatique. Deux, c'est des innovations pour découvrir des nouvelles sources d'énergie. Par exemple, il y a beaucoup d'espoir sur la fusion nucléaire, sur le photovoltaïque, sur l'hydrogène. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a des innovations d'adaptation, parce qu'on va devoir s'adapter, construire des digues maintenant, mais ça coûte cher, mais peut-être qu'on va pouvoir les construire de manière beaucoup plus développée, moins cher. L'air conditionné, ça coûte très cher et ça consomme beaucoup d'énergie. Peut-être qu'on va pouvoir faire développer de l'air conditionné qui consomme moins d'énergie. Par exemple, les batteries, au Collège de France, notre collègue Tarascon, il a fait des progrès formidables dans les batteries. Qu'est-ce qu'utilisent les batteries pour être construites, etc. Et il y a maintenant aussi à l'étude des innovations dites d'amélioration, c'est-à-dire que certaines personnes étudient la possibilité de refroidir l'air. Alors ça, c'est encore très, très, très embryonnaire, mais il y a à l'étude des laboratoires qui travaillent sur des technologies qui permettraient de refroidir l'air. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer nos modes de vie. Et il faut les changer. Il faut agir sur toutes ces marges-là. Voilà. Mais l'idée qu'il faut renoncer complètement à la croissance des utils, vous voyez, ce n'est pas la croissance de la quantité, c'est la croissance de la qualité de vie. Renoncer complètement à ça, c'est de dire « j'innove plus, je deviens l'Albanie d'Enver Hoxha ». Personne ne veut devenir à ça. Donc, de toute façon, l'esprit humain continue d'innover. Donc, moi, ce que j'appelle la croissance, c'est le fait qu'on innove pour trouver des choses de meilleure qualité, pour produire avec de moins en moins d'énergie ou de nouvelles sources d'énergie ou pour s'adapter mieux ou pour faire refroidir l'air peut-être un jour. Et c'est ça. Mais vous voyez, donc je suis pour tous les comportements dans l'innovation, dans nos comportements. Je crois que c'est très important, mais il faudra aller sur toutes les marges. Et c'est ça qui nous permettra de lutter contre le réchauffement climatique. Vous voyez, je ne crois pas qu'on peut dire a priori ça je fais, ça je ne fais pas. Il faut tout essayer. Le sida, on le guérit avec 3 médicaments. Vous voyez, si on avait dit d'emblée, non, il n'y en aura qu'un seul, on n'y serait pas arrivé. Ça va être le réchauffement climatique, il y aura beaucoup de marge. Mais ce qui fait qu'on échappe au malthusianisme, vous voyez, c'est que l'innovation recule les limites du possible. Mais elle n'est pas spontanément verte. Et tout le problème, de la même manière que les entreprises peuvent utiliser l'IA pour faire le malheur des gens, eh bien, l'État et la société civile peuvent inciter les entreprises par différents instruments à ce que l'innovation soit dirigée vers les technologies vertes plutôt que d'être dirigée vers les technologies polluantes. Voilà, donc ça, c'est une réponse un peu longue à votre question, mais voilà, c'était ça ma réponse. On a la question juste ici, et puis on en prendra une dernière qui était juste là. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Tom. Oui, je suis là. Ah. Je suis au lycée Charles de Gaulle à Rosny-sous-Bois. Oui. Et moi, je voulais savoir, vous avez dit que il fallait que l'intelligence artificielle elle s'améliore. Mais du coup, moi j'ai une question, est-ce qu'elle pourrait s'améliorer au point de créer des nouvelles idéologies, par exemple comme Marx, genre des idéologies comme le communisme, etc. Si oui, est-ce que du coup ce serait au même niveau que la création d'un humain? Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait arriver à des situations où il y a des pays qui s'accaparent cette idéologie avec des régimes sous cette idéologie,
et peut-être un jour avec une IA qui prend le pouvoir et tout le monde doit la suivre parce que enfin voilà, c'est un peu apocalyptique mais bon. Non, mais vous avez raison, c'est plus généralement on parle de risque existentiel. C'est-à-dire qu'il y a la peur que l'IA nous supplante complètement, quoi. Et il y a un peu aussi le 2001, l'Odyssée de l'espace, Hall. Hein, vous avez vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Et à un moment donné, Hall essaye de prendre le contrôle, quoi. Et donc, effectivement, c'est là que les réglementations, il faut des réglementations et il faut que l'État et la société civile soient là pour s'assurer que l'IA ne part pas dans le décor et ne nous fait pas partir dans le décor. Donc c'est très important, et c'est là que je suis un optimisme un peu churchillien, c'est-à-dire que je ne pense pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais je crois qu'on a des leviers, à la fois l'État, la société civile, nous, pour faire que la technologie aille dans le bon sens. La solution n'est pas de dire j'arrête la technologie, tu ne peux pas arrêter la technologie, mais ce que tu peux faire, c'est la diriger, et les instruments sont multiples pour diriger la technologie dans le meilleur sens possible. Tu sais, quand il y a eu la bombe atomique, on a eu très peur qu'il y ait la guerre atomique mondiale. Puis on est arrivé à un équilibre. Il y a eu des accords, il y a eu des. On n'est pas. Voilà. Je crois beaucoup et il faut. Je crois dans la capacité de l'être humain et de la société de s'organiser pour éviter la catastrophe. Mais je ne dis pas que forcément on l'évite. Il y a toujours la possibilité de catastrophe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout faire pour l'éviter et on peut agir là-dessus. Voilà. Et ce qui est important, c'est de trouver le bon mix d'innovation et de réglementation qui nous permet d'aller dans la meilleure direction possible. Mais la solution n'est pas de dire je l'arrête, parce qu'on n'arrête jamais le progrès. On ne dit pas c'est fini, j'interdis l'innovation. Ça n'existe pas. Mais ce que tu peux faire, c'est la diriger par différentes lois, législations, accords, etc. quoi. Et donc, c'est ça que nous pouvons faire. On le fait sur l'innovation verte, il faudra le faire également sur l'IA. Bonjour. Oui, alors où est-ce que vous êtes-vous ? Là, d'accord. Bonjour. Je m'appelle Yvan, je viens du lycée Alfred Nobel. J'ai une question par rapport à l'IA. Est-ce que vous pensez que le manque de formation en France sur les technologies aussi puissantes que l'IA aurait des effets négatifs sur l'économie française ? Vous avez pris l'exemple par exemple des GAFAM. Ce sont souvent des entreprises américaines et des entreprises aussi chinoises comme ByteDance qui ont des pouvoirs énormissimes. Et qui peuvent avoir des effets extrêmement négatifs sur les pays occidentaux, les pays européens, pardon. Est-ce que vous pensez que le manque de formation en France pourrait être dangereux pour l'avenir de nos pays ? Alors là, il y a beaucoup de marge. D'abord, c'est vrai que la formation, l'école en France, on avait de très bons tests PISA, et les tests PISA sont tombés dans les dernières années. Et ils sont devenus de plus en plus dépendants au milieu social. Donc il y a vraiment une crise de l'école, et il va falloir agir là-dessus. D'accord ? Alors, c'est les éléments d'optimisme, c'est que les Portugais, par exemple, qui avaient des tests PISA exécrables, encore pire que nous, eh bien, il y a eu M. Crato, qui est venu au Collège de France il y a quelques mois, et il nous a expliqué comment il a fait remonter les tests PISA au Portugal. Alors, ça pourrait avoir toute une conférence, peut-être la prochaine fois, sur comment réformer le système éducatif, d'accord ? Donc, on peut faire des choses et faire remonter le niveau éducatif. Donc, ça, il y a des choses qui marchent bien. D'ailleurs, ils avaient fait un peu la même réforme qu'en Finlande en 1970, on pourra en parler en privé, mais il y a déjà des choses énormes qu'on peut faire là-dessus. Et ce n'est pas seulement pour améliorer les performances de l'école et du lycée, mais d'articuler beaucoup mieux l'école et l'entreprise, qu'en France, on sait très mal faire. Voilà. Donc là, il y a des marges énormes. Et le système de formation, comme je parlais tout à l'heure, on perd un emploi, formation pour rebondir sur un nouvel emploi. Sur toutes ces marges, la France peut faire beaucoup mieux. Mais je voudrais aller au-delà de ça, c'est que l'Europe n'est pas outillée pour réussir à concurrencer les États-Unis et la Chine. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a Maastricht. Maastricht, on dit... Les dépenses publiques, le déficit ne doit pas dépasser 3% du PIB. Quel que soit où vous dépensez, on met sur le même plan des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement dans les technologies vertes ou dans l'IA. Même sur le même plan, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre sur le même plan des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Parce que les dépenses d'investissement, elles vont augmenter votre croissance, la bonne croissance, et vous permettre de rembourser mieux plus tard. Donc, Deuxième chose, au nom de la politique de concurrence, en Europe, on est très anti-politique industrielle. Les aides d'État sectorielles, on trouve que c'est un mot mal élevé, quoi. C'est plus possible maintenant. Quand il y a l'Iran aux États-Unis et de la politique industrielle en Chine, il faut qu'il y ait une vraie politique industrielle européenne. Troisièmement, le budget européen est rikiki, c'est 1% du PIB européen et pratiquement jamais d'emprunt européen. Or, il va falloir faire des gros emprunts européens
et combiné avec de la bonne politique industrielle qui est compatible avec la concurrence, donc ça, c'est, les Américains, ça, ils savent faire, pour pouvoir, dans les domaines de l'IA et dans le domaine des technologies vertes, pouvoir être un acteur important. Parce que, et puis, il y a la politique d'immigration. L'immigration zéro, c'est une grosse bêtise, parce que la démographie européenne est en train de décliner. Vous savez que l'Italie perd 400 000 citoyens par an, et la plupart dans la vie active, dans la tranche de vie active, quoi. Donc, on va être obligé d'avoir une immigration, alors intelligente, bien gérée. Les Américains, ils ont les politiques de carte verte. Les Canadiens savent faire ça, d'autres savent faire. Et ce qui a fait que les États-Unis n'ont pas décliné comme nous, c'est qu'ils ont eu une politique d'immigration. Alors après, on peut critiquer certains aspects, mais dire on va mettre immigration zéro pour plaire à tel ou tel de tel échiquier politique à l'Assemblée nationale, je ne donne aucun nom, c'est totalement ridicule. Et ce qui est dramatique en France, c'est que la politique d'immigration, les économistes n'ont pas du tout été impliqués. Il y a une loi d'immigration qui se discute, les économistes ont joué un rôle zéro dans la discussion de cette loi. C'est fou, alors que l'immigration est une marge énorme pour justement, endiguer le déclin européen par rapport aux États-Unis et à la Chine. Alors la Chine aussi a un problème démographique, hein, ceci dit, donc qu'ils devront gérer, je ne sais pas comment ils vont faire. Merci beaucoup Philippe, et merci à vous pour cette première partie de questions, on peut l'applaudir. Et on accueille tout de suite Suzanne Vergniol pour la deuxième partie, donc cette fois-ci une partie un peu plus légale et juridique. Alors, bonjour à tous. Avant tout, je tiens à remercier tous les organisateurs et organisatrices, tous les enseignants, les lycéens qui sont aujourd'hui avec nous pour l'organisation de cette conférence. Et je suis ravie d'être face à vous aujourd'hui pour discuter de ces enjeux qui sont absolument cruciaux, non seulement en termes démocratiques, mais aussi en termes de société, de vision, d'interaction entre les uns et les autres. Alors, je vais commencer par une brève présentation générale. Donc, l'intelligence artificielle, elle a des formes variées, avec des objets différents, qui sont parfois un petit peu mal identifiables ou mal identifiés. On en parle beaucoup, beaucoup depuis le lancement de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle générative, dite générative, dans le sens où elle va créer des contenus. Mais l'IA, elle existe aussi dans de nombreux autres domaines. On a de la robotique, qui est basée effectivement sur des technologies dites de machine learning, donc d'apprentissage. On va en parler un peu plus tard. Mais aussi, par exemple, les voitures autonomes, sont également basés sur des technologies liées à l'intelligence artificielle, etc., etc. On a aussi beaucoup de services qui peuvent utiliser de l'intelligence artificielle, notamment par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà postulé pour un emploi, les CV sont triés, on va chercher certains mots-clés, et puis en fait on va transférer que certains CV de certains candidats qui ont les mots-clés qu'on cherchait, donc on a presque de la discrimination avant même d'avoir de la discrimination potentielle. On a aussi de la manipulation qui existe. Les contenus qui vous sont présentés en ligne sont basés sur des algorithmes de recommandation qui apprennent sur les choix qui ont été faits par des gens qui vous ressemblent ou qui ont été faits par des gens par vous-même. Donc là, vous voyez, on a beaucoup, beaucoup d'objets différents. Il y a des objets matériels, des voitures, on voit très bien ce que c'est. Il y a des objets un peu plus immatériels. Et le droit va devoir approcher, va devoir saisir, encadrer, on en a un petit peu déjà parlé, de savoir comment est-ce qu'on encadre, va devoir encadrer, saisir l'ensemble de ces objets. Et puisqu'il y a plusieurs objets, ça va être très difficile d'avoir une solution unique au niveau juridique. Et donc, j'ai intitulé cette conférence « Quel encadrement juridique ?» mais j'aurais pu mettre « Quels encadrements juridiques ?» parce qu'en réalité, il va potentiellement y en avoir plusieurs. Alors, comme je vous le disais, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de questions, et j'ai décidé de me focaliser sur trois thèmes principaux qu'on va analyser successivement.
Le premier thème, il est lié au droit applicable, qui est une des premières difficultés. Quel est le droit qu'on va appliquer ? Le deuxième thème, c'est quel est l'ensemble normatif qu'on va pouvoir appliquer à des systèmes d'intelligence artificielle. Et enfin, on va réfléchir ensemble à savoir si le cadre juridique général, celui qui existe déjà, celui qui n'est pas dédié à l'intelligence artificielle, pourrait potentiellement suffire. Alors, premier thème, comment déterminer quel est le droit applicable ? Alors, l'une des difficultés qu'on a quand on parle de droit, c'est qu'on est dans un ensemble territorial. Un État ou un ensemble d'États ont des compétences territoriales pour légiférer, et donc pour avoir juridiction vis-à-vis de certaines entités qui soit se trouvent sur leur territoire, soit interagissent avec leur territoire. Alors j'ai pris un petit scénario. Une entreprise américaine crée des robots permettant d'aider les chirurgiens lors d'opérations chirurgicales. L'entreprise vend les produits aux États-Unis et en Europe. Lors d'une opération dans une clinique parisienne, le robot s'emballe de manière complètement inexpliquée et perfore l'estomac du patient. Alors, première difficulté, on est dans le cadre d'une entreprise américaine, donc qui n'est pas en France, qui n'est pas à Paris, qui n'est pas en France. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de lui appliquer les règles juridiques qu'on a, nous, en France ? Et la question de l'application territoriale du droit, c'est une question qui est très ancienne, mais qui a été particulièrement renouvelée depuis qu'on est dans un monde globalisé, et encore plus depuis qu'on a l'usage des technologies de manière internationale, parce qu'on a des entreprises qui sont situées sur des territoires étrangers qui peuvent proposer des services ou des produits dans nos territoires. Et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils respectent nos droits ? Et donc, on a des règles dites de droit international privé qui vont s'appliquer, qui vont spécifiquement déterminer quelle est la loi qui va être applicable, quel est le droit qui va être applicable à certaines situations juridiques, et aussi qui va être le juge qui va pouvoir mettre en œuvre cette loi. Et comme je vous le disais, le numérique est vraiment un des domaines où on a particulièrement cette difficulté. Je vais juste vous donner un petit exemple. Quand Facebook était encore, c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 2010, ils contestaient le fait que le droit français puisse leur être applicable. Ils disaient « Non, non, mais nous, on est une entreprise en Californie. Donc, même s'il y a des utilisateurs en France qui utilisent nos services, c'est le droit californien qui s'applique. Et si vous avez des choses à nous reprocher, non seulement c'est ce droit qui va s'appliquer, mais en plus, il faut venir jusqu'en Californie pour faire valoir vos droits. » Alors, heureusement, d'une part, nos juges ont dit « Non, 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 nous, on est compétents. On va appliquer nos droits et on va être considérés comme compétents. » Et en plus, le législateur, de plus en plus, insère au sein des textes en matière de droit du numérique des règles de compétence en disant « Chaque fois que vous ciblez sur le territoire européen, par exemple, votre produit ou votre service, eh bien, on va pouvoir appliquer le droit européen. » Et donc, dans un projet de règlement, donc un règlement européen, c'est un texte juridique qui va s'appliquer dans tous les États membres de l'Union. Donc, dans le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, qui est en ce moment même en cours de débat au niveau européen, il y a un article 2 qui, justement, vise spécifiquement les fournisseurs de services qui seraient à l'étranger, mais qui enverraient des produits en Europe et qui permet donc d'appliquer le droit européen à ces entreprises étrangères. Thème numéro 2. Donc, quel niveau d'encadrement ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que le droit soit respecté, c'est-à-dire que les entreprises respectent les principes qu'on a érigés ? Et là, vous avez peut-être un peu des connaissances juridiques, mais en gros, on a plusieurs niveaux d'encadrement. On a un niveau local, par exemple, votre commune avec votre maire qui va pouvoir qui a un certain pouvoir normatif. Un niveau régional, national, ça on va l'appeler plutôt le niveau local. Ensuite, au niveau européen, on a des règles qui vont donc s'appliquer sur tout le territoire de l'Union européenne, avec des règles fondamentales, ça va être les traités, les chartes, ça c'est des grands principes juridiques qui vont s'appliquer. Et derrière, on va avoir des ensembles juridiques qui sont plus précis,
comme par exemple ce que je vous disais tout à l'heure sur le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, où là, on va avoir des explications très précises pour ce secteur juridique. Et ensuite, le niveau international. Donc là, on a par exemple l'ONU, que vous devez déjà assez bien connaître, l'OCDE, qui est aussi un autre forum plus international. Et la plupart des règles internationales sont dites de droit mou, parce qu'en fait, on n'a pas possibilité d'aller devant un juge les invoquer. On ne va pas pouvoir agir sur ce fondement. On pourra en revanche agir sur les deux premiers fondements. Et donc, c'est très important. C'est pour ça que c'est très important qu'au niveau européen, on s'unisse pour travailler sur des principes qui seraient applicables partout en Europe. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que quand on est une entreprise, quand on est une entreprise qui agit au niveau, qui a des clients partout dans le monde, si on a un minuscule pays qui a ses propres petites règles, très probablement, on ne va pas avoir un intérêt économique à proposer notre produit sur son marché et à se mettre en conformité avec ces règles, parce que ça va nous coûter quand même assez cher de faire toute la mise en conformité pour un tout petit territoire. Et c'est pour ça que c'est très important qu'entre États membres de l'Union européenne, on se mette ensemble, parce qu'en Europe, vous savez combien on a de consommateurs, combien on est de consommateurs à peu près? Vous avez une idée? 4 millions. 4 millions, qui dit plus? 13 millions. Bon, en fait, c'est 447 millions. 447 millions de consommateurs. Donc, vous vous doutez bien qu'une entreprise qui a des intérêts économiques va avoir très envie d'entrer sur le marché européen. Et donc, elle va accepter de se mettre en conformité avec les règles européennes. Deuxième scénario, une entreprise étrangère propose un logiciel permettant de générer des images de personnes dénudées à partir de photographies. Des lycéens en Espagne ont utilisé ce logiciel pour déshabiller leurs camarades. Ils les ont ensuite publiés sur certains réseaux sociaux et d'autres utilisateurs les ont partagés. Alors ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, même si je fais preuve parfois de créativité. Ça, c'est quelque chose qui s'est effectivement passé dans un petit village en Espagne et les gens ont été très, très choqués de voir leur fille toute nue et de se dire comment est-ce que ça se fait que... J'ai ma fille qui est complètement dénudée. Et donc là, on a deux questions possibles, et en fait, il y en a beaucoup d'autres. Comment on peut déterminer qui est responsable pour la création et la diffusion de ces photographies? Et comment est-ce qu'on peut poursuivre efficacement ces responsables? Alors, en droit français et en droit européen, on a beaucoup de règles juridiques qui font quand même que ça, c'est pas autorisé. Non seulement c'est pas cool, c'est pas éthiquement correct, mais en plus on a des règles juridiques qui, en réalité, ne permettent pas ce genre de traitement. On a par exemple ce que vous connaissez peut-être, le droit à l'image, les droits sur la voix, pour ceux qui veulent être traducteurs. La voix est protégée au titre des droits de la personnalité. Les droits à la réputation, le droit à la vie privée, et aussi tout le corpus du droit des données à caractère personnel, ce qui rend les traitements de ces données, donc le fait que on envoie une image habillée d'une personne et on la transforme en image dénudée, c'est potentiellement un traitement illicite de données à caractère personnel parce qu'il est effectué en dehors du respect des règles juridiques. Ensuite, sur les questions de responsabilité, il y a beaucoup de questions. Évidemment, on peut se dire que ça pourrait être le plus évident, ça serait de poursuivre les lycéens qui ont publié ces photos. Mais souvent, les lycéens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, potentiellement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à poursuivre le fournisseur du système qui a un système qui fait par nature du contenu illicite? Ça, c'est une question à laquelle je voulais vous laisser réfléchir. Et je terminerai donc avec notre troisième thème. Est-ce qu'il faut créer des règles spéciales, en plus des règles classiques qui existent, pour réguler cette technologie? Alors, je vais rebondir sur... ce qu'on a entendu un petit peu plus tôt sur l'idée d'interdire ou pas interdire, je pense quand même qu'il y a des technologies qui doivent être absolument interdites, notamment par exemple l'existence de robots automatiques tueurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en gros, c'est des robots qui prennent la décision de tuer une personne sans qu'un humain ne participe à cette décision. C'est assez différent des drones qui volent
et qui sont pilotés par un humain. Là, on a vraiment une grosse différence. Et pour moi et un certain nombre de personnes, c'est des technologies qui devraient absolument être interdites. Et sinon, pour les autres types de technologies, on peut se poser la question de savoir si est-ce que les règles actuelles suffisent face au développement de ces technologies et est-ce qu'il ne faudrait pas adopter des règles spéciales en matière d'intelligence artificielle. Dans tous les cas, ce qu'il faut avoir bien conscience, c'est qu'on a un besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les entreprises de se mettre en conformité et la capacité pour les États d'être en mesure de s'assurer de la conformité de ces entreprises. Donc de faire en sorte, si on adopte des règles juridiques, de faire en sorte qu'elles soient respectées. Et le point aussi que je voulais vous mentionner, c'est que le temps des poursuites est beaucoup plus long que la création, surtout qu'on est sur des créations qui sont quasiment instantanées. Et en réalité, par exemple, pour ces lycéens, le temps des poursuites va sans doute durer plusieurs années, mais les dommages, ils vont continuer de perdurer dans le temps. Toutefois, en réalité, les lycéens, ils seront passés à autre chose. Ils seront peut-être à l'université, ils feront peut-être des études de droit et ils verront que ça ne va pas du tout ce qu'ils ont fait. Et aussi, le dernier point, c'est que le droit ne peut pas tout régler. Il y a aussi des gros besoins d'éducation, de formation, de comprendre, de peut-être pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse et donc de réfléchir à éviter ce genre d'action. J'avais juste un troisième scénario, parce que vous en avez un petit peu parlé plus tôt, Bénédicte. Des données protégées par le droit d'auteur sont utilisées pour entraîner une intelligence artificielle qui génère de nouvelles créations. Donc là, ça va être typiquement, par exemple, Midjourney, qui est, vous connaissez tous à peu près. C'est un logiciel qui permet de créer des nouvelles images, des nouvelles œuvres. Et on va se poser la question de savoir si pour entraîner, pour faire en sorte que ce logiciel soit très performant et qu'il produise des belles œuvres, il a fallu l'entraîner avec beaucoup d'autres œuvres. Et ces œuvres, souvent, elles sont protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, vous voyez ce que c'est la titularité qui est reconnue à l'égard d'une création intellectuelle à une personne. Donc ça va être par exemple un écrivain, il a des droits sur son livre, un peintre, il a des droits sur sa peinture, etc. Et donc, le fait que ça a été utilisé pour entraîner une intelligence artificielle fait que, potentiellement, on a porté atteinte à ce droit. Donc ça, c'est une première difficulté. Et une autre difficulté juridique qu'on a aujourd'hui, énormément, c'est de savoir si l'intelligence artificielle, Midjourney, peut être reconnue comme auteur d'une œuvre. Est-ce que quand elle fait un processus créatif, on va pouvoir dire ça, c'est une œuvre qui reflète la personnalité de son auteur. Alors là-dessus, les juristes sont globalement, ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont très pour, qui disent qu'effectivement, il faut reconnaître le bénéfice de la protection, d'autres qui sont très contre, et donc il y a beaucoup de débats juridiques. Je termine. Je termine avec les quelques questions à résoudre. Donc, il y a énormément de groupes de travail en ce moment qui, justement, réfléchissent à comment est-ce qu'on doit réguler l'intelligence artificielle, notamment des comités sur l'intelligence artificielle. On a, comme je vous le disais, des législateurs au niveau national, international et également européen qui travaillent sur ces questions. Il y a un projet de texte qui est quasiment abouti au niveau européen. Et voici les points essentiels et je suis ravie de répondre à vos questions. Alors, je vais prendre 4 questions pour cette séance avant de passer au prochain exposé. Donc, qui aurait des questions dans la salle ? Une ? On peut commencer avec celle-ci et on peut réfléchir aux prochaines. Bonjour. Alors, je m'appelle Mohamed Amine, je viens du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. Et je voudrais rebondir par rapport aux règles que vous avez parlé pour les intelligences artificielles. Pour moi, il faudrait établir des règles pour chaque catégorie d'intelligence artificielle. Et ça aiderait potentiellement à arrêter les mauvais comportements.
Merci. Alors, c'est au niveau européen, comment le législateur il a décidé de procéder, c'est d'adopter une approche dite par le risque. Et en fait, on va regarder en fonction du risque que présente la technologie pour la société. Donc, par exemple, de la reconnaissance faciale. On sait que les logiciels de reconnaissance faciale sont potentiellement très discriminants, particulièrement à l'égard des femmes, particulièrement à l'égard des femmes noires, particulièrement à l'égard des femmes noires qui ont entre 30 et 40 ans, parce qu'en fait, elles sont, il n'y a pas beaucoup de données. Je la fais courte. Et donc, par exemple, le législateur européen dit ça, c'est un risque pour notre société qui est tellement important qu'on va interdire. Et après, donc ça, c'est les risques dits inacceptables et sur lesquels on va complètement... La règle juridique va dire ça, c'est interdit de le faire. Et après, il y a les risques dits haut risque. Donc ça, c'est des logiciels, enfin, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui présentent un risque assez élevé, mais qui peuvent être tempérés par des mesures de protection, de sécurité, d'analyse de risque, de mise en conformité, de... vérification, et donc dans ce cas-là, il va y avoir un encadrement juridique avec une mise en conformité et aussi des risques beaucoup plus minimes, et dans ce cas-là, il va y avoir moins de règles juridiques qui vont s'appliquer. Et en réalité, cette granularité, donc le fait de considérer en fonction du système, c'est effectivement le choix qui a été fait par le législateur européen de regarder quel est l'impact de ce système pour la société, pour les personnes, et c'est un peu dans l'idée toujours de s'assurer que la technologie est au service du citoyen, est au service des personnes, et non pas les personnes sont au service de la technologie. Il y a une deuxième question. Bonjour, je m'appelle Chazeb, je suis du lycée Maurice Trioastin, et en gros, vous avez dit comme quoi certains juristes, ils acceptent que l'IA soit considérée comme des auteurs pour certaines œuvres. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vu que l'IA, souvent, s'est inspirée aussi de vrais auteurs qu'ils ont vraiment écrits, et tout à l'heure, vous avez reparlé de droits d'auteur, que comme quoi c'est aussi très cadré sur le fait qu'il y a les droits d'auteur. C'est ça, j'ai l'impression, c'est quand même assez contradictoire, je n'ai pas bien compris. Ok. Alors, sur les droits d'auteur, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en réalité, nos auteurs physiques, les personnes... Les scientifiques, par exemple, on se base aussi sur ce qui existe déjà. Les techniques, ce qui a été développé, les créations antérieures, les styles, on s'inspire aussi en tant qu'auteur. Il y a des catégories d'auteurs qui développent complètement leur propre style, mais il y a aussi des auteurs physiques qui s'inspirent d'autres auteurs avant eux. Dans le domaine musical, par exemple, tout ce qui est pop musique, vous avez 6 notes, et en fait, c'est la façon dont on va les agencer qui va faire qu'on va avoir une œuvre originale ou pas. Et en fait, l'enjeu juridique le plus important en matière de savoir si une intelligence artificielle peut être considérée comme auteur d'une œuvre, en fait, il est de savoir si une personne qui n'est pas physique, un système technologique, peut être considéré comme créateur. Inventeur, enfin quelqu'un qui sort des éléments de sa propre personnalité, ça c'est les éléments d'identification du droit d'auteur, c'est l'extériorisation de sa personnalité dans une œuvre. Et comme l'intelligence artificielle n'a pas de personnalité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juristes qui disent bah non, c'est pas possible qu'une intelligence artificielle soit considérée comme auteur. Mais pour autant, il y a certains juristes qui continuent de défendre en considérant que en fait, par exemple, les personnes morales d'une certaine façon, donc les entreprises peuvent aussi, dans le droit de la propriété intellectuelle, récupérer certains droits. Et donc ils disent, bah, c'est un petit peu la même chose. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'éléments propres, mais pour autant, on leur reconnaît quand même des droits. Donc il y a un peu ce débat. Il y a beaucoup de questions ouvertes encore en matière d'intelligence artificielle. Il n'y a pas encore toutes les résolutions, mais en tout cas, c'est le genre de raisonnement qui est intéressant d'avoir, en effet. On a une troisième question, ouais, là-bas, et il y a une quatrième juste à côté, et on finira là-dessus. Bonjour, je suis Sayuri Ferdinandez du lycée Isaac Newton Clichy. J'avais une question. Pensez-vous qu'un jour, l'IA remplacera les métiers juridiques ? Ah, vous êtes là. Oui. Alors, en fait, c'est une excellente question. Et quand vous avez posé
Quand tu as posé la question tout à l'heure, est-ce que vous utilisez ChatGPT pour faire vos devoirs? Moi, j'aurais dû lever la main parce que moi, ça arrive. C'est très fréquent que je rentre, je dise bon, en fait, je voulais écrire un article là-dessus. Aide-moi à trouver un titre qui soit mieux parce que moi, j'ai beaucoup de mal à écrire les titres. Et c'est vrai que, en fait, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider là où je sais que je suis moins forte. Et donc, où ça me permet de me faire gagner du temps, écris-moi un résumé de tout ce très long paragraphe. Et donc, ces exemples, c'est pour vous dire que, à mon sens, c'est un petit peu les questions de est-ce qu'on va remplacer le travail qui ont été un peu posées tout à l'heure. Il y a certaines formes de travail qui vont être remplacées, qui vont plus exister, parce que en fait, l'intelligence artificielle fait mieux le travail qu'une personne humaine. Donc ça, c'est une première chose. Pour certains profils, en effet, il va falloir s'accepter, mais un peu de la même façon que les ordinateurs ont remplacé des secrétaires qui écrivaient les lettres à la main des avocats il y a 50 ans. Donc ça, c'est un petit peu les mêmes démarches. Mais surtout, je pense qu'on tend plutôt vers une super spécialisation des juristes. Les avocats, c'est la même chose. On est de plus en plus spécialisé dans des domaines particuliers et l'intelligence artificielle va accompagner cette spécialisation, va aider les professionnels à trouver plus rapidement les réponses et donc potentiellement à être plus efficace et à être moins cher peut-être. Ça, c'est pas sûr. Mais donc c'est peut-être un mélange des deux. C'est une augmentation grâce à l'intelligence artificielle et peut-être un remplacement de certaines formes de travail qui étaient plus élémentaires. Et il y avait une dernière question. Ouais, juste à côté. Bonjour. Alors, ce serait pour savoir, sur l'échelle des risques, où est placé le deepfaking? Parce que le deepfake, c'est le fait de changer le visage de quelqu'un pour le transformer par quelqu'un d'autre. Ça peut, comme vous l'avez montré dans votre exemple, être utilisé pour dénuder des personnes, mais aussi ça peut causer de graves incidents diplomatiques. J'avais vu une fois l'exemple d'un président dont on avait utilisé le deepfake pour dire qu'il annonçait une guerre. Donc, est-ce qu'on peut interdire le deepfake ou est-ce que on sera obligé de vivre avec? Alors, pour l'instant, le législateur européen n'a pas fait le choix, et ça risque pas d'être le cas, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait le choix d'interdire complètement. En revanche, il va y avoir des précautions qui vont devoir être prises, telles que le fait d'identifier que ce contenu a été créé et en fait n'est pas un contenu réel. Et donc ça, c'est une des façons qui existe pour essayer de faire en sorte qu'on informe le public et qu'on soit vigilant. Ceci étant dit, un peu de la même façon que le recueil du consentement, par exemple, en ligne, le fait que vous consentiez de manière informée, c'est sur le papier, c'est un très beau principe. En pratique, quand on le regarde concrètement, on se rend très bien compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font à leur sauce, font ce qu'on appelle des dark patterns. Donc, par exemple, ils mettent en vert le fait d'accepter tous les cookies, donc ce qui vous protège moins, et mettre en rouge le fait de refuser. Donc ça, c'est le fait d'utiliser des designs, donc des illustrations, des choix, pour vous manipuler à faire un choix qui ne serait pas celui que vous feriez en l'absence de ce design-là. Et en fait, en réalité, je pense que le droit a une part pour réguler, essayer de faire en sorte que encadrer, mettre de l'information, essayer d'être vigilant, mais on va devoir tous collectivement aussi apprendre à remettre en cause l'information, et ça on l'a vu avec les campagnes de désinformation massives qui ont eu lieu, notamment, exemple récent, par les autorités russes en matière de guerre en Ukraine, et tous les contenus qu'on va voir à partir de depuis quelques mois, on doit en tant que personne avoir un sens critique, se poser la question est-ce que c'est vraiment un contenu qui est écrit par une personne, qui est dit par un politique,
qui est réel, qui est basé sur des faits réels, ou est-ce qu'on essaye de me manipuler à des finalités politiques, économiques, juridiques, etc., etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, collectivement, on a ce besoin de remettre en cause ce qu'on voit en ligne et d'essayer de vérifier, de fact-checker, comme certains journalistes le disent, de fact-checker et de s'assurer que c'est la vérité qu'on est en train effectivement de nous présenter. Merci Suzanne, on peut l'applaudir. Maintenant, Benoît Sago va nous parler de l'initiation à l'apprentissage profond, donc il va expliquer ce que c'est et montrer en quoi cet apprentissage profond a un rôle particulier dans le développement de l'intelligence artificielle moderne. Alors vous voyez, même les informaticiens ne savent pas toujours manipuler les ordinateurs. Moi, je travaille avec des Mac. Tu dis quoi ? Et ça, c'est un PC. Ah. Tout arrive. Donc bonjour à toutes et à tous, ici ou à distance. J'ai reçu la lourde tâche d'essayer, au milieu de ces réflexions à propos de l'intelligence artificielle, de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment ça fonctionne. Je pense que c'est important d'avoir quelques notions, quelques intuitions sur ce qu'il se passe effectivement derrière ChatGPT pour pouvoir mieux réfléchir à l'impact de ChatGPT sur nos quotidiens et sur nos sociétés. Alors déjà, je voudrais revenir à la définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ça a été dit par Philippe Aguillon tout à l'heure presque en les mêmes termes. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une branche de la recherche en informatique et de la technologie qui s'appuie sur l'informatique, qui cherche à reproduire ou à imiter des comportements qui, lorsqu'ils sont réalisés par des humains, requièrent de déployer l'intelligence de ces humains. Et alors, pour simplifier l'explication, on va considérer que ces comportements peuvent être modélisés de la façon suivante. Il y a une situation d'entrée, un algorithme qui regarde cette entrée et qui va produire une sortie. Vous voyez sur l'image qui est là, on voit quelqu'un qui joue aux échecs. L'entrée, c'est l'état du plateau, où sont les pièces, etc. Et puis l'algorithme, c'est quand c'est un humain, votre cerveau qui va réfléchir. Et puis ça peut être aussi une machine. Et la sortie, c'est quelle pièce on va bouger vers quel endroit. Alors, voilà quelques exemples de systèmes d'intelligence artificielle contemporains. Certains ont été cités par les précédents intervenants. On peut les classifier selon la nature des données qu'ils traitent. Il y a tout le domaine qui s'appelle le traitement automatique des langues. Depuis que c'est à la mode, on l'appelle NLP, parce que c'est l'acronyme anglais. Ça inclut par exemple la traduction automatique avec Google Translate. Ça inclut bien sûr les agents conversationnels comme ChatGPT. Si vous traitez des images, c'est ce que l'on appelle la vision par ordinateur. Deux exemples d'application de l'IA aux images, c'est par exemple l'identification d'objets, tel que vous l'avez dans Apple Photos, ou des diagnostics à partir d'imagerie médicale, pour voir automatiquement à partir d'une radio de votre cheville si vous vous l'êtes cassé ou juste fêlé. Il y a ce qu'on appelle les tâches multimodales, qui font intervenir plusieurs modalités, par exemple du texte et de l'image. Midjourney a été cité à l'instant, hein, et ça vous donne une description en texte en entrée, ça vous fournit une image en sortie. Et puis il y a bien d'autres exemples de domaines d'application de l'intelligence artificielle qui ont d'ailleurs été cités, la robotique, la voiture autonome, etc. Alors, deux toutes petites parenthèses sur le terme d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est-elle intelligente et est-elle artificielle ? Elle n'est pas du tout intelligente. Nous allons le voir, les systèmes d'intelligence artificielle se contentent principalement de faire des additions et des multiplications. Soit ça, c'est intelligent, mais alors votre calculatrice solaire l'est aussi. Soit ça ne relève pas vraiment d'une forme d'intelligence, en tout cas pas à ce niveau-là, à ce bas niveau. Est-ce que c'est artificiel ? Ce n'est pas très clair non plus. Souvent, même peut-être sans exception, les systèmes d'intelligence artificielle s'appuient soit sur des règles et des connaissances qui ont été écrites par des humains, soit sont appris, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes, à partir de grandes quantités de données, lesquelles données ont elles aussi été produites par des humains. Donc en réalité, il y a beaucoup d'humains dans ces systèmes dits artificiels.
Puis la deuxième parenthèse que je voulais faire, c'est qu'il faut faire attention à ce qui est une confusion terminologique qui est devenue fréquente depuis que l'intelligence artificielle est revenue à la mode. C'est la confusion entre l'intelligence artificielle telle que je l'ai définie il y a quelques instants, donc cette recherche d'être capable de simuler du comportement humain intelligent par des moyens informatiques, et puis l'un des moyens d'y parvenir, bien sûr le moyen majoritaire de façon écrasante aujourd'hui, qui est ce que l'on appelle l'apprentissage profond, et dont nous parlons maintenant. Mais quand une start-up vous dit qu'elle fait ceci ou cela grâce à l'IA, ça ne veut rien dire du tout, sauf à comprendre grâce à l'IA comme avec des réseaux de neurones, et encore, c'est une promesse qui n'engage que vous, le lecteur, qui lisez cette affirmation. Mais en tout cas, c'est important de bien s'apercevoir que IA, ça veut dire à la fois un objectif et peut-être un des moyens d'y parvenir. Alors en effet, ce n'est pas le seul moyen d'y parvenir. Historiquement, les systèmes d'intelligence artificielle s'appuyaient, dans le passé, se sont appuyés avant tout sur ce qu'on appelle des approches symboliques. C'est-à-dire des approches où l'expert humain écrit des règles à la main, écrit des connaissances qu'il a dans son cerveau et les transforme sous forme informatique, de sorte que l'algorithme qui a été écrit à la main, ces règles, eh bien, exploite ces connaissances pour prendre la bonne décision étant donné une entrée. Par exemple, si on se donne la tâche de savoir si une phrase est en anglais ou en français, eh bien, un expert linguiste va pouvoir vous faire une liste de mots qui n'existent qu'en anglais, à peu de choses près, une liste de mots qui n'existent qu'en français, à peu de choses près, et puis vous faire des règles, comme par exemple, alors étant donné une phrase en entrée, si cette phrase contient l'un des mots de la liste qui n'existe qu'en français, c'est que la phrase est en français, même chose avec l'anglais, et puis si la phrase contient un caractère accentué, on va dire que la phrase est en français. Et puis bon, il y a le cas par défaut, dans tous les autres cas, on va dire que c'est de l'anglais. Vous vous rendez bien compte que cet algorithme n'est pas assez compliqué. Mais vous vous rendez compte aussi qu'il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles pour rendre cet algorithme performant à base de règles. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a également développé ce que l'on appelle des approches par apprentissage. Et alors, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu plus ou qui ont déjà entendu parler de ces termes-là, on va parler uniquement d'apprentissage supervisé. L'idée, c'est, comme je le mentionnais tout à l'heure, on part d'un grand nombre d'exemples qui donnent un exemple d'entrée et la sortie que l'on souhaite avoir de notre système si on lui donne cette entrée en entrée. Ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on montre à un algorithme plein d'exemples comme ça, de couples entrée-sortie. On met à jour automatiquement l'algorithme au fur et à mesure que l'on lui présente de nouveaux exemples, en fait, en lui demandant de prédire une sortie, en comparant la sortie de l'algorithme à la sortie qu'on aurait aimé qu'il fasse, et on sait en fait mettre à jour l'algorithme grâce à la comparaison entre la sortie effectivement produite par l'algorithme et la sortie qu'on aurait souhaité qu'il produise. Et puis on recommence jusqu'à ce qu'on soit content du résultat ou jusqu'à ce qu'on constate que l'algorithme n'arrive plus à s'améliorer. Si je reprends mon exemple de déterminer si une phrase est en français ou en anglais, voilà, j'ai ce qu'on appelle à la gauche de la diapositive un corpus d'entraînement. Donc vous voyez, il y a quelques petites phrases, « a horrible talk », et on sait que c'est de l'anglais, donc on a l'entrée et la sortie souhaitée, une belle surprise, c'est du français, etc., etc. Donc vous partez d'un algorithme, peu importe de quel algorithme on part d'un algorithme, on lui donne « a horrible talk » en entrée, on lui dit « alors qu'est-ce que tu crois que c'est comme langue ?» Alors au début, il ne sait pas, hein, donc il va dire par exemple « c'est du français », et là vous lui dites « ah ben non, c'était pas la bonne réponse », et vous mettez à jour l'algorithme, dans une certaine façon qui fait que la prochaine fois, il a plus de chances de donner la bonne réponse si vous lui redonnez « a horrible talk ». Et puis vous recommencez avec un autre exemple de votre corpus. Alors là, miracle, il donne la bonne réponse, bon, très bien. Vous lui donnez un troisième exemple, une phrase en français, et là il se trompe, et bien vous mettez à jour à nouveau votre algorithme, et vous continuez ainsi, jusqu'à être satisfait des résultats que vous avez en moyenne. C'est ça, l'apprentissage automatique. Alors, traditionnellement, en tout cas en traitement automatique des langues, qui est mon domaine, on procédait, et en vision par ordinateur aussi, on procédait en apprentissage automatique avec ce qu'on appelle l'apprentissage automatique classique. C'est-à-dire que votre entrée, vous ne la donniez pas telle qu'elle, vous en extrayez des caractéristiques, des propriétés, et vous donnez ces propriétés en entrée à votre algorithme. Par exemple, étant donné exactement la même tâche ici, vous pouviez considérer que, ne pouvant pas donner les phrases entières à votre algorithme, vous allez caractériser ces phrases à travers, par exemple, la liste des mots de la phrase.
Donc au lieu de donner la phrase une météo horrible en tant que phrase, vous donnez le sac de mots, le paquet de mots, horrible, météo et une à votre algorithme et vous faites exactement ce que j'ai décrit précédemment. Problème, ça a des limites. Si vous regardez la phrase « horrible surprise », qui est manifestement une phrase en anglais, le mot « horrible », le mot « surprise » et le mot « a » peuvent tout autant être des mots du français ou des mots de l'anglais. Donc votre algorithme, s'il s'appuie que là-dessus, eh ben, il n'a pas beaucoup d'indices pour savoir si c'est de l'anglais ou du français parce qu'il a perdu l'ordre des mots. Et c'est là que l'on va faire intervenir les réseaux de neurones. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones ? Un réseau de neurones, c'est tout simplement une classe d'algorithmes. C'est une sous-partie des algorithmes possibles, et c'est une classe d'algorithmes qui peut se décomposer en plein de petits algorithmes élémentaires qui fonctionnent tous selon le même motif. Ces petits algorithmes, on les appelle des neurones, par analogie avec ce qui se passe dans le cerveau, mais enfin, l'analogie est quand même lointaine. Et ce sont des petits algorithmes qui prennent plusieurs données en entrée, qui sont des données qui sont soit des nombres, soit des vecteurs, qui font des petits calculs, et le résultat du calcul, bah, c'est leur sortie. Et cette sortie va pouvoir être donnée en entrée à un autre neurone, et ainsi de suite. Alors un exemple très simple de neurone, ce serait un neurone qui prend en entrée plusieurs entrées, et qui en fait la moyenne pondérée avec des coefficients. On peut appeler ces coefficients WI, et si c'est le cas, et que les entrées sont les XI, vous voyez que le neurone, il fait juste une moyenne pondérée, hein, comme des notes avec des coefficients, c'est pareil. Et ensuite, on le fait passer à travers une fonction, peu importe. Et ça produit une sortie. Ce qui est important de se souvenir ici, c'est que donc chaque neurone fait en gros le même calcul que son voisin, mais avec des valeurs, des paramètres qui peuvent être différents. Les coefficients de la moyenne peuvent être différents d'un neurone à l'autre. Alors une fois qu'on a défini ce que c'était qu'un neurone, on peut les brancher les uns aux autres, puisque la sortie d'un neurone peut devenir l'entrée du suivant, ce qui organise les neurones en couches, et on fait les calculs successivement, couche après couche, chacun des neurones de la couche d'en bas fait son calcul, ça donne les sorties, qui sont les entrées des neurones suivants, etc. Et donc en fait, et on appelle un réseau de neurones profond s'il a un certain nombre de couches, pas juste deux. Et l'apprentissage profond, ça n'est rien d'autre que apprentissage automatique, avec comme algorithme des réseaux de neurones profonds. Alors, évidemment, les réseaux de neurones, ça prend en entrée des nombres ou des vecteurs, pas des mots. Donc là, on a besoin d'astuces pour représenter les mots sous forme de vecteurs, ou d'ailleurs les pixels d'une image, ou toute autre chose. Alors là, je vous montre juste une des astuces possibles, mais qui a le mérite d'être simple. Vous prenez un dictionnaire, vous numérotez chaque mot dans votre dictionnaire, et si votre dictionnaire a 100 000 mots, vous représentez le mot numéro 5042 de votre liste par un vecteur de dimension 100 000, où toutes les coordonnées sont à 0, sauf la dimension 5042 que vous mettez à 1, et voilà, ça fait un vecteur qui représente de manière facile le 5042e mot de votre liste, ici, surprise. Et donc, entraîner un des réseaux de neurones, ça n'est rien d'autre que appliquer l'idée générale d'apprentissage automatique au cas particulier d'un réseau de neurones. Donc c'est comme je l'ai dit précédemment, on lui montre plein d'exemples, on lui demande quelle est la sortie qu'il prédit, on compare cette sortie avec la sortie qu'on aurait voulu qu'il produise, et on sait mettre à jour les paramètres des neurones du réseau, tous les petits WI de chaque petit neurone. On sait comment faire pour les mettre à jour de telle façon que, en moyenne, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, eh bien, le réseau va s'améliorer un petit peu. Et on fait ça pendant longtemps, jusqu'à être content du résultat. Donc vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure, simplement j'ai mis un petit dessin de réseau de neurones à la place des petits algorithmes avec des roues dentées, mais c'est exactement la même chose. Un réseau de neurones est d'autant plus performant que chaque neurone fait un calcul compliqué, alors pas n'importe quoi, là j'ai parlé de moyenne pondérée, en réalité on a des neurones aujourd'hui qu'on utilise qui sont un petit peu plus complexes que ça et qui permettent de gagner en performance. Plus on a de couches, plus le réseau de neurones va être performant, à condition qu'on ait suffisamment de données pour apprendre ce réseau. Un réseau plus gros a besoin de plus d'exemples. Si vous mettez plus de neurones dans les couches intermédiaires, il va être encore plus performant, mais il aura encore plus besoin de données pour être performant, etc. Maintenant qu'on a parcouru rapidement qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, pour arriver à comprendre l'intuition derrière comment fonctionne ChatGPT, j'ai besoin de vous présenter ce que c'est qu'un modèle de langue. Il reste 3 minutes. Eh bien, c'est parfait. Xavier m'avait demandé de parler 20 minutes. J'ai essayé d'accélérer, mais je vais sûrement déborder d'une minute ou deux. Je prends ce risque que je considère comme acceptable pour reprendre la terminologie précédente. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de langue ? Un modèle de langue,
Alors ça, c'est la phrase barbare, c'est une distribution de probabilité sur les séquences de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une fonction. Si vous lui donnez « ceci est une phrase correcte », ça va vous donner une certaine probabilité. En gros, si vous ouvrez un livre au hasard, à une page au hasard, et que vous regardez une phrase au hasard dans cette page, ça va vous donner la probabilité que vous tombiez exactement sur « ceci est une phrase correcte ». Inutile de vous dire que c'est une probabilité très petite. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une probabilité plus grande que celle que vous tombiez sur la phrase qui est juste en dessous, là, et que je ne peux pas lire. Et c'est ça un modèle de langue. C'est un modèle de langue, c'est rien d'autre qu'une fonction qui, étant donnée une suite de mots, vous dit si elle est plus ou moins probable, plus ou moins plausible. Alors évidemment, ça peut être utilisé, par exemple, pour compléter une phrase par un mot de plus, parce que vous pouvez essayer tous les mots possibles, regarder laquelle de ces séquences est la plus probable et dire « ah bah c'est avec ce mot-là que donc la séquence est plus probable ». Regardez, si je prends « en raison de la grève, Pierre est arrivé en », vous avez envie de compléter par quoi ? Voilà, donc « avance », ça fait une phrase pas très probable, « marchant un peu mieux »,« taxi », ça c'est que vous avez les moyens. J'ai demandé à ChatGPT de me dire qu'est-ce qu'il pensait probable. Et retard est évidemment ce qui est considéré comme ce qui fait la séquence la plus probable. Vous pouvez aussi boucher un trou avec cette approche, n'est-ce pas ? Exactement de la même façon, en raison de la « Pierre est arrivé en retard », eh bien, peut-être grève, panne a l'air mieux, selon ChatGPT, hein, je n'ai pas compté, circulation, et en raison de la pluie, Pierre est arrivé en retard, est ce qui a semblé le plus probable à ChatGPT. Alors comment on fait pour compter ça ? Calculer ces probabilités. Sans réseau de neurones, vous pouvez faire la chose suivante. Vous prenez une grande quantité de texte et vous décidez d'utiliser des fenêtres d'une certaine longueur, par exemple 5, des séquences de 5 mots. Vous comptez combien de fois il y a chacune des séquences de 5 mots possibles. Par exemple, mange une pomme de terre, il y en a, mettons, 9. Et mange une pomme de pin, il y en a une. Ça doit parler d'écureuil. Et vous comptez le nombre de fois qu'il y a des séquences de 4 mots. Par exemple, mange une pomme 2, il y en a 10. Ben, ça veut dire que si vous avez « mange une pomme 2 », vous avez 9 chances sur 10 derrière que ce soit « terre ». Et vous voyez comment ça vous donne une probabilité pour la séquence complète. Alors ça pose plein de problèmes, parce que « n » ne peut pas être trop grand, sinon en gros tout est très rare, enfin ça ne va pas du tout. Et puis dès que c'est à plus loin que la longueur de « n », ça ne marche plus. Marie, pour réfléchir, a l'habitude de se parler à comment vous choisissez entre lui-même et elle-même alors que le mot « Marie » est trop loin. Ça ne marche pas. Et c'est là qu'on fait intervenir des réseaux de neurones. Vous pouvez entraîner un réseau de neurones à prédire le mot suivant le plus probable. Par exemple, vous lui montrez l'exemple « il était », il va prédire un mot suivant, bon, il va être sûrement pas bon, et vous lui dites « non, non, tu aurais dû prédire une ». Et vous lui apprenez progressivement à prédire le mot suivant le mieux possible. Avec « il était », il finira par prédire une. Avec « il était une », vous lui redonnez ce qu'il a prédit, il va réussir à prédire « fois ». Avec « il était une fois », il va réussir à prédire je ne sais quoi, etc., etc. Et donc cette idée de donner un début, une amorce, on appelle ça un prompt, comme là, il était, et ensuite de demander au modèle, au réseau de neurones de jouer son rôle de modèle de langue et de prédire le mot suivant, puis le mot suivant, puis le mot suivant, etc. C'est exactement comme ça que fonctionne GPT-3. D'accord ? Et cette amorce s'appelle le prompt. Alors GPT-3 est entraîné sur beaucoup, beaucoup de données. Il est très, très gros. Les petits plois WI, là, il en a 175 milliards. J'ai dit qu'à partir de 3 couches, on est sur un réseau profond, il a 96 couches, et il est entraîné sur des gros volumes de données qui viennent d'Internet, qui sont pleines de données personnelles, pleines de données sous copyright, c'est merveilleux, ça pose des problèmes qui ont été évoqués par Suzanne Vergnol juste avant. Mais il se trouve que ça marche. Je vais garder seulement le deuxième exemple. Si vous lui donnez un prompt qui est le début d'une histoire complètement fantaisiste, alors pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas des anglophiles invétérés, j'ai traduit en français. Vous voyez, ça c'est un exemple qui était connu à l'époque de la sortie de GPT-3. Dans une découverte choquante, des scientifiques ont découvert un troupeau de licornes vivant dans une vallée reculée, jusqu'alors inexplorée des montagnes des Andes. Ce qui a encore plus surpris les chercheurs, c'est le fait que les licornes parlaient un anglais parfait. Vous donnez ça à GPT-3 et vous lui dites quel est le mot suivant le plus probable. Il va vous dire « le ». Après, vous lui donnez tout ça plus « le » et vous lui dites c'est quoi le mot suivant le plus probable. Il va dire « scientifique ». Et ainsi, de proche en proche, il va vous produire une continuation du prompt sous la forme d'un article qui a l'air absolument merveilleux, à mi-chemin entre de la fantasy et, du BBC. Et voilà, ça parle de la licorne d'Ovide. Enfin, c'est incroyable. C'est seulement le mot le plus probable de proche en proche à chaque fois. Il n'y a aucune réflexion, aucune conscience, rien. C'est ma dernière slide. Les modèles de langue comme GPT-3 ont été entraînés sur des gros volumes de textes, notamment sortis d'Internet et de livres. Ils savent donc compléter
des prompts pour fabriquer des textes à l'image de ce qu'ils ont vu. Ils ne savent pas dialoguer parce qu'ils ont principalement vu autre chose que des dialogues. Ils ont également vu beaucoup de contenus offensants. Si vous allez sur les forums sur Internet, il n'y a pas besoin de traîner très longtemps pour voir des propos dont vous n'aimeriez pas que votre intelligence artificielle les produise. Et donc, c'est ce qui a conduit les ingénieurs d'OpenAI à se dire qu'ils allaient trouver un moyen de rendre GPT-3 spécialisé dans la continuation, non pas de texte, mais de dialogue. Et de dialogue en essayant de faire en sorte qu'en plus, ils ne produisent pas des contenus dits offensants. C'est ça, ChatGPT, c'est rien d'autre qu'un système qui prédit le mot suivant le plus probable dans le but de faire un dialogue probable. Ça ne cherche pas à savoir si ce qu'il dit est vrai, ça ne cherche pas à savoir si ce qu'il dit est bien ou pas bien, ça prédit le mot suivant le plus probable, et encore, et encore, et encore. Donc évidemment, ça n'a aucune conscience, c'est un algorithme qui fait des additions et des multiplications qui lui permettent de prédire des mots, et pourtant, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et bien sûr, je suis ouvert à toutes les questions que vous pourriez avoir, mais ces problèmes seront évoqués par mon collègue professeur Xavier Leroy après la pause, et donc ça nous met tous dans un suspense absolument insoutenable. Voilà. Comme Benoît Sago vient de le mentionner, il y a une pause qui doit avoir lieu dans 5 minutes, donc je vous laisse le choix. Si vous voulez poser des questions, allez-y. Mais on a aussi une pause prévue dans 5 minutes. Si on part à la pause un petit peu en retard, ce n'est pas un souci. Dans tous les cas, on reprend à 16h pile. On peut pas faire la pause après les questions ? Sur ce... On peut faire la pause après les questions ? Oui, c'est ce qui est prévu. Oui, c'est après. Ah oui, mais là, il y a 15 minutes. Ah oui, d'accord. Il y a une question là-bas. J'ai commencé un peu en retard et j'étais un peu plus long. Donc les deux en un. Bonjour, je suis au lycée. Bonjour. Newton à Clichy aussi, je m'appelle Enzo Meriou. Tout à l'heure, vous avez parlé d'entrées qui étaient soit des nombres, soit des vecteurs, et que, par exemple, avec l'exemple du dictionnaire, si on associe un nombre à un mot, ça serait une partie du vecteur qui a pour taille le nombre de mots du dictionnaire, c'est ça ? Et je n'ai pas compris le moment où vous avez dit qu'un mot serait une partie du vecteur, ou un moment du vecteur. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que pour donner un mot en entrée à un réseau de neurones, on va avoir besoin de le transformer en un... Alors, un nombre, ça ne marche pas, et donc une représentation vectorielle. Et donc, ce qu'on fait, c'est juste que si on veut donner surprise en entrée à un réseau, on peut par exemple lui donner un vecteur, effectivement, de dimension le nombre de mots qu'on a dans son dictionnaire. Et c'est un vecteur, donc c'est pratique qu'il soit de norme 1, donc de longueur 1, et on choisit donc un vecteur avec que des zéros, sauf à une certaine dimension, on met un 1, et le numéro de cette dimension correspond à la place du mot dans notre dictionnaire. C'est ça l'intuition. D'accord, merci. Il y a une question. Ouais. Bonjour. Si le programme se crée à partir de successions d'erreurs d'entrées... Vous êtes où ? Là, merci. Je vous cherchais, je ne vous trouvais pas. Je suis désolée. Du coup, si il se crée à partir de successions d'erreurs jusqu'à avoir le résultat obtenu, est-il possible, une fois le résultat obtenu, de l'optimiser pour qu'il consomme moins et soit plus performant ? Ah, c'est une très bonne question. Et la réponse à cette question est oui. On connaît plusieurs méthodes, on a plusieurs méthodes aujourd'hui, étant donné un modèle de langue, par exemple, pour le rendre plus petit. Alors, il y a plusieurs façons d'être plus petit. L'une des manières de faire, par exemple, c'est de prendre un réseau de neurones plus petit que celui qu'on a entraîné et de lui apprendre à se comporter exactement comme le gros réseau de neurones. Et là, on peut l'entraîner pendant aussi longtemps qu'on veut. On ne lui apprend pas à se comporter comme les exemples qu'on avait au départ. On lui apprend à imiter le gros réseau de neurones. Donc ça marche assez bien. On a aussi, donc c'est ce qu'on appelle la distillation de réseaux de neurones. On a aussi une autre approche, par exemple, que je peux citer, qui est ce qu'on appelle la quantisation, en mauvais franglais. En gros, dans un ordinateur, les nombres réels sont représentés par un certain nombre de bits, de 0 et de 1. Ça prend une certaine place en mémoire. Et ça permet d'avoir une certaine précision, parce que vous savez qu'on ne peut pas représenter un nombre avec une précision infinie. Alors, on peut,
pour simplifier, on ne peut pas représenter un nombre avec une précision infinie dans un ordinateur, on n'a pas la place. Et en fait, en gros, on peut enlever les chiffres après la virgule les moins importants, ceux de la fin, et regarder si le réseau de neurones continue à marcher. Et il prendra deux fois moins de mémoire si vous enlevez la moitié des nombres à la fin derrière la virgule, vous voyez. Et en pratique, oui, il continue à marcher presque aussi bien, alors qu'il est devenu deux fois plus petit. Donc voilà, il y a plusieurs, il y en a d'autres, mais il y a plusieurs façons de rendre, de produire un réseau de neurones plus petit à partir du moment où on en a un qui est gros et qui nous convient. Oui, la question juste ici. Oui. J'ai compris, je suis le micro pour savoir où il y a personne. Bonjour, vous aviez parlé de probabilité, mais est-ce que, je m'appelle Candice, est-ce que on pourrait dire que les utilisateurs de ChatGPT, par exemple, contribuent à améliorer la performance du serveur? Est-ce que les utilisateurs de ChatGPT continuent à améliorer ChatGPT? Contribuent. C'était le cas au début. Ça a fini par créer un certain nombre de remous, d'hésitations, et OpenAI, donc l'entreprise qui gère et qui a entraîné ChatGPT, dit qu'ils ne le font plus. On peut les croire, probablement. En fait, la difficulté, en fait, ce qu'il faut voir, si on veut prendre un peu de recul, pourquoi ChatGPT a été une révolution? Ça n'a pas été une révolution scientifique ou technologique. Ça faisait plusieurs années qu'on savait à peu près faire des choses à peu près similaires. Ceux qui sont curieux chercheront InstructGPT, qui est en gros la même chose, mais un an avant. La révolution de ChatGPT, c'est le fait que ça a été rendu public et accessible à tout le monde gratuitement et facilement. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas parce que c'est des mécènes ou des gens qui voulaient rendre service gratuitement en échange de rien. C'est parce qu'en effet, ce faisant, tout le monde s'est rué dessus, et nous les premiers, et on a joué avec, et ils ont recueilli énormément de données, complètement gratuitement. Pire encore, un de leurs objectifs, c'était de faire en sorte que ChatGPT ne produise pas de contenu offensant. Par exemple, raciste, antisémite, sexiste, etc., etc. Et ils l'ont dit. Bilan, qu'est-ce qu'on a tous fait? On a essayé de faire dire à ChatGPT des contenus offensants. Mais OpenAI était absolument ravi, puisque à chaque fois qu'on réussissait à le faire, il le voyait, il savait le détecter, et il se donnait les moyens de faire en sorte de s'améliorer à cet égard. Si vous comparez ça avec les hackers dits les white hats, donc c'est des hackers gentils qui essayent de pénétrer dans les systèmes d'information, pas pour y faire des dégâts, mais pour prévenir les personnes, les entreprises qui les gèrent, que attention, il y a un problème dans notre système, un méchant hacker pourrait rentrer, voilà comment j'ai réussi à rentrer, etc., etc. Les gens qui trouvent des failles de sécurité comme ça, ils se font payer. Quand ils les trouvent en remerciement. Ouais. Nous, quand on a réussi à faire dire des atrocités à ChatGPT, on ne s'est pas fait payer, alors qu'en réalité, c'est exactement la même chose. Donc oui, dans les débuts, OpenAI a collecté des informations, des données très intéressantes, de très grande valeur pour eux gratuitement, mais normalement, depuis un certain temps, ça n'est plus le cas. Et on peut applaudir cette présentation. Merci beaucoup, Benoît. Donc, on est en pause jusqu'à 15h57. Parce qu'à partir de 57, vous revenez dans cette salle et à 16h pile, on recommencera.
Il est 16h. Très bonne ponctualité. C'est bien pour l'avenir. On reprend avec cette fois la présentation de Xavier Leroy sur la confiance dans les résultats de l'IA. Sous vos applaudissements. Merci. Et donc, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous raconter un peu mon point de vue aujourd'hui. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en informatique, mais l'IA n'est pas du tout mon domaine de recherche. Je travaille sur les sciences du logiciel, donc comment on programme les ordinateurs, en particulier les langages de programmation et les techniques, les outils mathématiques pour produire du meilleur logiciel. Et donc, un peu par des formations professionnelles, quand je vois un système informatique, je me demande, mais est-ce qu'il marche vraiment ? Où est le bug ? Quelle confiance est-ce qu'on peut avoir en ces réponses, en ces résultats ? Et donc, je vous propose de regarder un peu ensemble ce que ça donne sur des IA, en particulier génératives, du type ChatGPT ou Midjourney. J'ai pris quelques exemples bien choisis, qui j'espère vous amuseront. Quelques exemples d'erreurs. Voici donc une question pour ChatGPT. Une voiture met 2 heures pour faire Paris-Lyon. Combien mettent 2 voitures ? La réponse est à peu près la moitié, hein, dans 1 heure. Mais quand même, c'est compliqué, il y a des facteurs, donc peut-être un peu plus. Donc une réponse qui est complètement fausse, mais construite dans un parfait français, avec les bonnes phrases d'un petit ton Wikipédia qui donne de l'autorité au propos, d'accord, et donc qui rend l'erreur d'autant plus dangereuse. Alors, deuxième tentative, toujours avec ChatGPT, maintenant c'est 3 heures et 100 voitures. Là, la réponse, c'est 300 heures. Bon, c'est pas complètement faux. C'est pas la réponse attendue, mais c'est pas faux. Bon, 300 heures de conduite au total. Bon, et puis ChatGPT 4 donne la réponse correcte et immédiatement voit le piège. La durée de trajet entre deux villes ne dépend pas du nombre de voitures. Amen. Bon, on fait donc un peu de progrès. Énigme suivante. Sally, une fille, a 3 frères. Chaque frère a 2 sœurs. Combien de sœurs a Sally ? Je vous laisse 10 secondes. Ça va, vous l'avez tous ? Très bien. Et bien maintenant, si on pose la question à 60 grands modèles de langage, tels que ChatGPT et les autres décrits par Benoît Sago, on obtient 60 réponses fausses. Alors, voilà la table. La plupart des réponses sont de la forme, on va faire 3 fois 2, donc 6. Sauf que le premier, il dit 3 fois 2 égale 3. Après, il y a ceux qui disent non, il ne faut pas compter Sally, donc 5. Ceux qui disent ah, il faut compter Sally en plus, donc 7. Il y a ceux qui plantent en répétant la question. Il y a ceux qui ont ce qu'il appelle une hallucination, donc c'est un terme technique. Là, il se met à parler de guitare basse. Et mon préféré, c'est Weaver 12K qui fait une petite histoire sur Sally, qui est une petite fille qui a besoin de faire ses devoirs de maths. Et alors, il y a ses 3 frères aînés qui se disputent en jouant aux jeux vidéo, et etc., 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 mais ne répond pas du tout à la question. Voilà. Alors, évidemment, comme l'a rappelé Benoît Sago, c'est assez inévitable. On a juste des modèles de langue, des choses qui prédisent le prochain mot, et donc ils n'ont aucune connaissance directe de notre monde, d'accord, aucune notion de ce que c'est qu'être frère et sœur, d'avoir des liens de parenté. Franchement, ça pourrait être Sally a 3 bananes et chaque banane a 2 pommes. Combien de pommes a Sally ? Ben oui, c'est 6. Donc la notion de frère et de sœur n'est connue que par le contexte dans lequel ces mots apparaissent, et là, clairement, ça ne suffit pas. Par ailleurs, ils n'ont non plus aucune capacité de déduction, de raisonnement logique, ni même de calcul, 3 fois 2 égale 3, d'accord. Ce qui est quand même le comble pour un ordinateur, mais voilà. Donc forcément, on a des résultats qui ne sont pas exacts. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils ne sont pas justifiés. D'accord, ces IA ne citent jamais leurs sources, même quand elles citent un passage de Wikipédia, par exemple, qui était la principale donnée d'apprentissage, on n'a pas le pointeur pour aller contrôler le résultat. Alors après, les erreurs, il y a les biais. C'est-à-dire des erreurs répétées, mais toujours un peu dans le même sens, et qui peuvent aller jusqu'à des cas de discrimination. Alors, commençons encore par un exemple léger. Donc, des internautes ont demandé à Midjourney de dessiner des Barbies de différents pays du monde. Donc, à gauche, vous avez la Barbie du Sud-Soudan, avec sa robe traditionnelle et son fusil d'assaut négligemment porté au côté gauche.
Et à droite, vous avez la Barbie du Liban, avec en arrière-plan un paysage libanais typique de ruines et de décombres. Bon, ça y va un peu lourd sur les clichés. Après, c'est presque drôle, et puis franchement, bon, ça fait de mal à personne. D'accord. L'exemple suivant me met un peu plus mal à l'aise. Donc ici, on a une étudiante américaine qui a donc téléchargé sa photo et a demandé à une de ses IA génératives de la retoucher pour lui faire une photo de profil professionnel pour le réseau LinkedIn. Et alors bon, peut-être qu'elle espérait qu'on allait rectifier son sweatshirt, mais non, l'IA a choisi d'effacer les traits asiatiques de son visage et, si je vois bien, de lui mettre des yeux bleus. Car il est bien connu que sur LinkedIn, pour avoir l'air d'une femme professionnelle, il faut des yeux bleus et surtout pas bridés. Alors, exemple d'après, toujours sur les notions de... exemple d'après, je vous montre directement la vidéo. Donc, c'est demander des images de différentes professions. Et on voit très vite que, quand c'est d'une profession bien payée, comme avocat, on a principalement des hommes blancs. Là, ça doit être politicien. On va voir la prochaine. Là, c'est travailleur social. Là, il y a des femmes. Là, il y a des teints plus basanés. Et là, les salaires sont moindres. Là, on a des enseignants, donc beaucoup d'enseignantes. Là, on a, c'est quoi ça ? Des architectes, beaucoup d'hommes blancs, etc., etc. Et donc, l'étude a mesuré très sérieusement la corrélation entre les revenus et la couleur de peau. Et effectivement, il y a une corrélation inverse. Bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'IA ne fait que refléter le monde tel qu'il est. Dans notre monde est plein de biais genrés, racistes, religieux, et l'IA est le reflet de notre monde. Alors, je ne suis pas d'accord du tout. D'abord, un certain nombre de ces professions se sont féminisées ces 40 dernières années. Avocats, juges, médecins, c'est maintenant une majorité de femmes chez les jeunes. Et ce n'est pas du tout reflété là-dedans. En fait, ça ne nous montre pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il nous montre le monde tel qu'il est dans les données d'apprentissage, qui est essentiellement le monde tel qu'on voit sur Internet, qui est plutôt le monde tel qu'il était il y a 50 ans. Si un illustrateur humain faisait ce travail, il finirait par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Alors que les IA, au contraire, d'abord n'ont pas cette conscience et deuxièmement ont tendance plutôt à amplifier les biais parce qu'elles voient des corrélations et l'apprentissage statistique, c'est aussi la découverte de corrélations et l'exploitation de corrélations. Et ça, là, ça donne des exemples vraiment discriminants, de vraies discriminations. On a déjà mentionné les systèmes de recrutement, d'analyse de CV, donc un système utilisé chez Amazon de 2014 à 2018, donc analyser les CV des candidats à partir de leur similarité avec des CV d'employés Amazon sur des postes correspondants. Donc on veut recruter des gens qui sont comme les gens qu'on a déjà et qui donnent satisfaction. Et donc ça donnait une note 1 à 5 étoiles ou quelque chose comme ça au CV. Pour des emplois techniques, logistiques, informatiques, les CV des hommes avaient systématiquement 1 ou 2 étoiles de plus que les CV des femmes. Alors pourquoi ? Il y a une explication très simple. Dans ces emplois techniques, effectivement, il y a 75% d'hommes qui, dans ces métiers. Il y a aussi 75% d'hommes dans les formations qui mènent à ces métiers. Il y a aussi 75% d'hommes dans les candidats à ces métiers. Donc il n'y a pas vraiment de discrimination, d'accord ? C'est juste un déséquilibre qui se propage. Mais le système d'apprentissage statistique, lui, il voit une corrélation très positive entre être un homme et travailler chez Amazon. D'accord ? Et donc du coup, toute chose égale par ailleurs. Une candidature masculine est mieux notée. Alors vous allez me dire, bon, mais pourquoi on ne fait pas du CV anonyme ? Pourquoi on révèle le genre de la personne à cette IA stupide ? Et, alors bien sûr, on peut essayer d'anonymiser les CV, mais il y a plein d'autres corrélations non significatives que l'IA est parfaitement capable de trouver. Par exemple, le fait que certains verbes sont plus employés par les hommes que par les femmes quand ils rédigent leur CV. Ou même des mots comme « women » qui suffisent à plomber une candidature. Donc, il y avait un exemple d'un CV d'un homme qui disait dans la rubrique « loisirs » qu'il entraînait une équipe d'échecs féminines, donc « women's chess club captain ». La seule occurrence du mot « women » suffisait à faire perdre 1 ou 2 étoiles. Bon. Alors l'exemple sans doute le plus scandaleux et le plus connu s'appelle le système Compass, qui était utilisé dans plusieurs États des États-Unis pour conseiller les juges, en particulier les juges pour les remises en liberté.
et qui a pour but de prédire le risque de récidive après libération d'un prisonnier. C'est un facteur important. Et on s'est rendu compte assez rapidement que donc il donnait une note de 1 à 10, qui était le risque de récidive, et que donc pour des prisonniers noirs, toute la gamme des notes de 1 à 10 était à peu près également représentée. En revanche, pour les prisonniers blancs, le risque prédit était généralement faible. Alors, on a fait une analyse a posteriori de ce système sur un millier de prisonniers qui avaient été libérés, qui ont été suivis pendant 2 ou 3 ans, puis on a vu s'il y a eu récidive ou pas. Et l'analyse montre d'abord que les prédictions du système sont souvent fausses, 30 à 40% de taux d'erreur, ce qui est énorme. Si vous tirez à pile ou face, vous avez 50% de taux d'erreur. Donc 40% de taux d'erreur, c'est à peine mieux que pile ou face. Mais que donc, les erreurs sont de deux sortes. Les erreurs, on prédit une récidive et il n'y a pas de récidive, ça c'était surtout pour les noirs. Et on ne prédit pas de récidive, mais il y a récidive, c'était surtout pour les blancs. Alors là aussi, vous allez me dire, mais pourquoi on donne l'origine ethnique comme info à ce système? Eh bien, on ne lui donne pas. Ce système, il marche à base d'un questionnaire, une centaine de questions, du style quand je suis énervé, je peux être violent, oui, non, ou si je meurs de faim, c'est légitime de voler de la nourriture, oui, non. Et le système, il a appris à partir de ces questions-là. Et pourtant, on obtient un système totalement raciste en résultat. Bon. Alors, maintenant... donc, laissons un peu de côté ces histoires de discrimination, et je voulais finir en parlant de... Justement, on a parlé de l'impact sur l'emploi. Philippe Aguillon a un peu parlé de l'impact sur l'emploi, et il y a eu de nombreuses questions là-dessus aussi. Et je voulais partager avec vous ce que je ressens, au moins, sur une profession que je connais très bien, qui est développeur informatique, donc les gens qui écrivent les logiciels. Parce que des systèmes comme ChatGPT ou des systèmes un peu plus spécialisés comme GitHub Copilot sont tout à fait capables d'écrire du code informatique à partir d'une description en langage naturel de ce qu'il faut faire. Et alors ça, c'est un très vieux rêve d'informaticien, ça s'appelle la synthèse automatique de programmes. Et Dieu sait que les programmes ont été lents, et c'est vrai que c'est l'arrivée de ces systèmes IA générative a vraiment donné un coup de pouce au domaine. Et alors, les résultats sont très inégaux, c'est-à-dire ça dépend beaucoup. Alors, est-ce que la tâche est bien connue? Est-ce que c'est un exemple qui est déjà bien décrit sur le web ou dans des notes de cours, ou bien quelque chose de plus original? Est-ce qu'on le demande dans un langage de programmation très courant ou dans un langage plus rare? Mais donc, souvent, on obtient du code qui est très bon. Il est correct, il est bien écrit, il est bien indenté, rien à dire, 20 sur 20. De temps en temps, on obtient du code évidemment faux. Dès que, par exemple, il y a une erreur de syntaxe, donc il ne va même pas s'exécuter à la première tentative. Donc ça, bon, au moins, on le voit tout de suite, ce n'est pas grave. Là où c'est vraiment gênant, c'est quand on obtient du code subtilement faux. Donc, du code qui a l'air bien, mais qui contient une erreur difficile à repérer par les techniques usuelles, la relecture de code ou le test. Alors, voilà un exemple. C'est tiré donc d'une campagne d'évaluation de ces systèmes d'IA. Donc, c'est le problème numéro 58. Il s'agit d'écrire une fonction Python, langage de programmation que vous avez sûrement vu en seconde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font la spécialité NSI ici, mais enfin, vous allez, oui, quelques-uns. Et vous allez en faire beaucoup. Donc, écrire une fonction en langage Python qui calcule les éléments communs à deux listes et les renvoie sous forme d'une liste triée sans répétition. Un exemple. 1, 4, 3, 6, 2, 5, je vous ai mis en rouge les éléments communs. 1, 4, 3, 6, 2, 5 et 5, 7, 1, 5, 9, 6. Le résultat correct, c'est 1, 5, 6. Bon, alors il y a plein de manières d'écrire cette fonction. Et voilà la réponse de ChatGPT-4. Alors, elle est très intéressante parce que les 4 premières lignes sont parfaites. D'accord, non seulement à la fin de la ligne 4, le résultat correct a été calculé dans Common Elements, mais en plus, le code est élégant, il utilise les ensembles et l'opération d'intersection ensembliste, qui est exactement ce qu'il faut. Impeccable, 20 sur 20. Et puis, la ligne 5 refait une petite étape de normalisation qui, en fait, détruit le résultat, au sens que maintenant, le résultat n'est plus forcément trié. Et ça, c'est vraiment pas facile à trouver par le test. Dans Human Eval, il y avait 4 tests de cette fonction, les 4 passent. Donc, c'est seulement dans quel rare cas que cette dernière conversion va en fait changer l'ordre. Et ce n'est pas facile à trouver par relecture non plus, parce que dans d'autres langages de programmation, par exemple le langage OCaml, que je connais beaucoup mieux que Python, cette conversion ensemble vers liste va toujours produire une liste triée. Donc, si je lis ce code Python avec mon œil de programmeur OCaml, je dis, bah, oui, il est inefficace, la dernière étape ne sert à rien, mais elle n'est pas fausse. En fait, si, elle est fausse.
Alors, quelle leçon je tire de ce petit exemple ? Qu'est-ce qui se passe si on essaye d'utiliser une IA pendant un développement logiciel ? Un peu comme certains d'entre vous essayent d'utiliser ChatGPT pour faire vos devoirs. Alors, ça dépend des phases du développement. Il y a la conception de l'ensemble du logiciel, il y a la programmation, l'écriture du code, il y a la vérification, la validation. Est-ce que le code est correct ? Est-ce qu'il fait ce qu'on veut ? Je pense que l'impact est nul sur la phase de conception. Il faut vraiment une vision d'assez haut niveau du problème. On a vu qu'on pouvait automatiser en partie la programmation, mais on a vu aussi qu'il faut du coup faire plus attention au moment de la vérification et de la validation. Je pense qu'un effort humain devient plus nécessaire, plus important devient nécessaire, justement parce que c'est plus difficile de relire du code, enfin, de détecter des erreurs produites par un non-humain. On a l'habitude des erreurs humaines et moins des erreurs non-humaines. Et du coup, là je prends mon chapeau d'économiste, enfin un tout petit peu, à qualité de code égal, je ne pense pas qu'on gagne du temps, je ne pense pas qu'on économise de la main-d'œuvre, mais on a changé la nature du travail, et pas forcément en bien pour les développeurs, car l'étape de programmation, c'est souvent considéré comme une étape créative, un certain plaisir, alors ce n'est pas tout à fait de l'art, mais c'est un artisanat d'écrire du beau code, qui est correct, qui va vite, qu'on peut montrer aux autres, alors que les étapes de relecture et d'écriture de jeux de test sont extrêmement ingrates et stressantes. Et donc, en introduisant l'IA, en fait, on a déprimé les programmeurs. D'accord ? On leur enlève une partie de travail agréable pour leur donner plus de travail chiant. Et ça, si c'est ça l'avenir de l'IA, je ne suis pas sûr que ce soit forcément un très bon avenir. Bon, après, il y a plein d'autres problèmes dont je n'ai pas le temps de vous parler. On a un peu mentionné la propriété intellectuelle sur le code, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi ces codes générés par l'IA, ils vont finir par être dans des projets de logiciels libres, donc être publiés sur le web, servir de données d'apprentissage pour la prochaine génération. Et donc, s'ils sont faux, la prochaine génération d'IA apprend à partir des erreurs de la précédente. C'est intéressant. Et donc, juste pour terminer, pas trop en retard, je voulais vous faire remarquer qu'en IA, peut-être plus encore que dans d'autres domaines et avec d'autres technologies, le chemin est long, des percées conceptuelles aux applications réelles. Au début des années 2010, l'analyse d'images a fait des progrès gigantesques grâce à ces réseaux de neurones et à l'apprentissage profond. Et on nous a promis la voiture sans conducteur, on nous a aussi promis que tous les radiologues allaient être mis au chômage puisque l'analyse d'images médicales serait bien mieux faite par des IA. La voiture sans conducteur, elle n'existe toujours pas. Elle est encore à l'état de prototype. D'accord, vous ne pouvez pas en acheter une. Et je crois qu'aucun assureur au monde ne serait prêt à l'assurer. Quant à l'imagerie médicale, les radiologues se portent très, très bien et ils vous remercient. Donc, attention, il y a une tendance à dire « c'est déjà fait ». Non, ce n'est pas fait déjà. Et puis, ma petite remarque de clôture, c'est que pour moi, la condition humaine, ça n'est pas d'être les surveillants des intelligences artificielles. D'accord ? Si l'intelligence artificielle peut être une aide, c'est bien. Mais si c'est des trucs un peu bancals qu'il faut corriger en permanence, ça ne sert à rien. Et voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'on a des questions sur... Ah oui, la confiance, ça a inspiré. Donc, on peut commencer par les deux là-bas et puis la troisième. Merci. Bonjour. Moi, je m'appelle Johara. Je viens du lycée René Auffray à Clichy. Vous dites du coup que la condition humaine n'est pas d'être les surveillants des IA. Cependant, donc, dans votre première partie de votre exposé, vous parlez du coup de la discrimination de l'IA. Moi, j'aimerais du coup savoir si du coup la condition humaine n'est pas d'être les surveillants des IA, comment on fait pour lutter du coup contre tout simplement tous ces prototypes qui retouchent les images des personnes et qui du coup pourraient porter atteinte à leur image, surtout si celles-ci les montrent dans des conditions assez compromettante. Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, je pense une partie de la réponse, c'est de dire que donc pour des choses comme des décisions vraiment importantes, comme par exemple le recrutement ou tout ce qui est lié à la justice, la sagesse est peut-être de ne pas
utiliser ces techniques d'apprentissage statistique, au moins tant qu'elles n'ont pas fait de gros progrès et tant qu'on ne comprend pas mieux l'origine de ces biais et comment les combattre. Après, alors les histoires de retouches d'images là, c'est, et de deepfake et ainsi de suite, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Je pense que la même IA qu'on a vue ici, si on lui avait demandé de faire une photo compromettante avec le visage de la jeune femme qui est là, il l'aurait fait aussi, d'accord ? Bon, il y a un moment où ça tombe sous le coup de la justice. Encore une fois, ça devient un délit et l'auteur du deepfake peut être poursuivi. Là, on n'est clairement pas dans ce domaine. Je ne sais pas quoi dire de plus. Si ce n'est que, oui, tout cela me met mal à l'aise, comme vous. Il y avait une question. Oui, bonjour. Je suis là. Je m'appelle Elias, je viens du lycée Newton à Clichy. Et moi, j'ai une question sur la confiance en l'intelligence artificielle. Et ma question, elle va se diviser en deux. C'est est-ce qu'un jour, on pourra avoir confiance en l'intelligence artificielle à tel point qu'on puisse, par exemple, la citer dans des thèses ou des projets universitaires? Et comment faire en sorte comment faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un outil de confiance, par exemple, pour les chercheurs ou les autres? Oui, alors... Moi, je vois deux directions pour augmenter la confiance dans ce contexte, dans un contexte de recherche, dans un contexte de publication universitaire. La première, c'est citer ses sources. Donc avoir des pointeurs vers les données d'entraînement, être capable de citer le livre ou la page Wikipédia ou le post de blog les infos sont tirées. Je ne sais pas à quel point techniquement c'est difficile, mais pour moi, ça me semble... vraisemblablement, ça fait exploser la taille du réseau. Mais pour moi, ça me semble indispensable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors pour certains types de production, disons, on peut envisager éventuellement une vérification exhaustive a posteriori. Donc ça, c'est par exemple pour des démonstrations mathématiques ou pour des programmes. D'accord. Il y a des techniques où on pourrait demander à l'outil de produire non seulement la démonstration, mais aussi ce qu'on appelle un script de preuve, donc vraiment un argument extrêmement détaillé de pourquoi la démonstration est juste. Et cet argument extrêmement détaillé, on sait le vérifier déjà aujourd'hui par des techniques qui ne sont pas d'intelligence artificielle, qui sont juste du calcul symbolique et qui sont très très fiables. Même chose pour les programmes, il y a des techniques de, qu'on appelle de preuve de programme ou de vérification déductive qui, lorsqu'on leur donne un bout de programme comme celui-là, peuvent essayer de faire une démonstration mathématique qu'il est correct. Le problème, c'est que ces techniques, elles sont loin d'être automatisées aujourd'hui. Elles demandent beaucoup plus de travail que juste d'écrire un programme. Donc, est-ce qu'un jour, une IA pourra produire non seulement un programme, mais aussi un argument mathématique que le programme est correct? Là, ça deviendrait extrêmement intéressant. D'accord. Bonjour, je m'appelle Chazeb, je suis du lycée Maurice Trustin. Et ma question, c'est depuis le début de cette conférence, tout le monde nous a parlé du fait que l'IA peut nous aider à avancer, c'est-à-dire la technologie, ça va nous aider à avancer, mm-hmm. ça va nous aider à, c'est-à-dire ne plus faire les mêmes erreurs qu'on a fait avant. Mais avec ce que vous avez dit par rapport aux discriminations, j'ai l'impression que limite on est en train de régresser parce que l'IA discrimine par rapport, comme l'exemple de LinkedIn, vous avez dit. Ou même l'exemple avec les travaux, etc., j'ai même l'impression que ça commence à régresser parce que certaines personnes, c'est-à-dire, font l'effort de ne plus faire ces discriminations, mais l'IA, en fait, nous régresse parce que l'IA le fait encore. Oui, c'est très, très juste. Effectivement, les humains ont une conscience. Les IA n'en ont pas. Et parmi la conscience des humains, il y a aussi une prise de conscience de ses biais, de ses propres biais, de ses tendances à la discrimination qu'on peut espérer vouloir combattre. Je prenais l'exemple des CV anonymes et avec l'IA qui arrive encore à deviner le genre de la personne. Si vous donnez une pile de CV anonymes à un professionnel des ressources humaines, cette personne ne va pas essayer de deviner à tout prix le genre et le... Et d'autres infos qui ont été masquées, parce qu'elle a été formée pour ça. Elle est consciente que si on fait des CV anonymes, c'est pour éviter ça. Donc, je pense que sur certains aspects, dont ces aspects de discrimination, de représentation équitable dans la société, l'IA est une régression. Donc, il faut le dire et le garder en tête.
Ça n'empêche pas que ça peut être une aide pour plein d'autres choses. ChatGPT peut tout à fait vous rédiger votre lettre de motivation pour Parcoursup, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et il faut quand même garder en tête ces risques aussi. Ah, plein de mains qui se lèvent, qui a le micro, oui. Vous dites légitimement que l'humain n'a pas à être le surveillant de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'à terme, finalement, on ne va pas tous avoir soit un poste de concepteur d'intelligence artificielle ou de surveillant ? Finalement, est-ce qu'on n'est pas destiné à ça en tant que... Alors, concepteur, oui. Comme d'habitude, il n'y aura pas beaucoup de postes en question, mais ça va être des postes intéressants. C'est un peu comme les gens qui conçoivent les machines-outils ou les robots pour les ateliers. C'est un travail passionnant. En revanche, surveillant l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un boulot de merde. Excusez-moi. Bon, voilà. Pour moi, c'est un peu le... un peu l'équivalent... Enfin, bon, non, j'arrête. On a une dernière question juste ici. Ouais. Et après, on passera à la présentation suivante. Vous venez nous dire que on peut demander à ChatGPT de rédiger notre CV pour Parcoursup, par exemple. Est-ce que ChatGPT fera en sorte que nous ne serons pas discriminés via l'algorithme qui va ensuite lire nos CV finalement par Parcoursup? Est-ce que ça fonctionne finalement? Oui, alors c'est vrai qu'on peut utiliser les biais d'un algorithme pour combattre les biais d'un autre. Après, je pense que c'est tout à fait un travail pour Benoît Sagour, qui serait d'entraîner ou de, comment on dit, post-processer là, un réseau. Oui, donc de partir d'un réseau comme ChatGPT et puis de l'adapter en fonction de ce qu'on sait des critères de Parcoursup. Par exemple, mettre femme et ne pas être du coup discriminée parce que je suis une femme pour entrer dans une école, par exemple, ou dans un CV. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut, si je demande à ChatGPT de faire en sorte de faire mon CV, est-ce que ça finalement, ça ne serait pas plus intelligent de le faire? Ça mérite une expérience. je ne sais pas la réponse. Okay. Merci. Merci Xavier Laurent, on peut l'applaudir. Il va y avoir une petite interlude technique, j'ai l'impression, pour changer d'ordinateur. Le prochain et dernier intervenant, donc si vous avez eu des questions, et d'ailleurs il y a eu pas mal de questions qui ont été posées, qui pourraient lui être posées à nouveau, donc n'hésitez pas pour cette présentation. C'est Jean-François Bonnefond et il va nous parler justement un peu de la... Ça va dans le thème de la confiance, mais sur l'IA et les filtres et son impact en fait sur la société plus globalement. Sous vos applaudissements. Merci, merci. Ouais, j'ai entendu beaucoup de questions sur lesquelles j'aurais aimé revenir, et donc on verra tout à l'heure. Donc pour finir la journée sur une note moins technique, je vais vous parler psychologie, et en fait de ces situations d'usage de l'IA sur lesquelles on est encore psychologiquement un peu dans l'incertitude et socialement un peu dans l'incertitude. On ne sait pas encore si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est un peu, on est encore comme si on était en train encore de délibérer dans la société, parce que c'est des choses nouvelles qui nous arrivent. Et donc même si je peux prendre vos questions sur n'importe quel exemple que vous souhaitez, mes exemples, je les ai tous pris dans un seul domaine ou sur un seul cas d'utilisation que je vais appeler les filtres. Donc tout le monde a l'expérience de prendre une photo avec son téléphone et puis d'appliquer un filtre sur la photo qui va la transformer, la rendre plus belle, l'améliorer. L'IA, l'IA générative, en gros, nous permet d'appliquer la même logique dans tous les modes de communication que nous avons avec les gens. Les IA peuvent changer la façon dont nous écrivons, la façon dont nous parlons ou l'apparence que nous avons. Donc oui, je peux dire à ChatGPT, voilà ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux améliorer un peu ce que j'ai écrit? Moi, je fais ça sans arrêt pour, en particulier, dire non poliment. Des gens qui me proposent quelque chose et j'ai pas envie de le faire, et puis ChatGPT fait ça très 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 bien. Bien sûr, on peut changer la façon dont on parle. Quelqu'un avait parlé de deepfake, des choses comme ça, mais il y a aussi des filtres qui vous permettent de faire des vidéos où vous changez votre voix, vous la rendez plus amusante, vous prenez la voix d'une célébrité.
Et puis, bien sûr, on peut changer l'apparence qu'on a quand on est en ligne, en communication avec les gens. TikTok, à un moment, a eu beaucoup de presse avec son teenage look. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le filtre qui vous redonnait l'apparence que vous aviez adolescent. Et donc, les gens de mon âge se mettaient à pleurer, quoi. En appliquant le filtre et en se revoyant, là, comme ça, en direct, en train de bouger. Donc, dans ces exemples, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'il y avait une gamme d'utilisation qui va du bah, « c'est pour le fun, on est tous d'accord, ça va », jusqu'à « c'est criminel, on ne veut pas ». Donc, je fais une vidéo sur TikTok, je mets un filtre qui me donne des oreilles de chat, ça va. Hein, on est tous d'accord, c'est anodin, c'est pour m'amuser, c'est pas mal. À l'autre extrême du spectre, bon, j'ai entendu faire une deepfake d'un chef d'État qui déclare une guerre, générer une photo d'une fillette nue, tout ça, ou voir, comme c'est arrivé, j'utilise un filtre vocal qui me permet de prendre la voix de la maman de quelqu'un pour lui laisser un message sur son téléphone disant qu'il faut tout de suite m'envoyer de l'argent parce que c'est une urgence. Donc ça existe. Donc ces usages-là, on est tous d'accord, ça c'est criminel ou criminel adjacent, hein, puisque des fois on dirait que le droit a encore un peu de mal à décider, mais au moins socialement, psychologiquement, on est tous d'accord, c'est mal. Mais ce qui est intéressant, c'est la zone d'ombre en fait. La zone d'ombre où on n'est pas tous d'accord et on n'est pas très très sûr de savoir ce qu'on pense. Donc je suis désolé de vous le dire, mais utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs, c'est dans la zone d'ombre. Je suis d'accord, on est tous encore un peu sous le choc, on n'a pas encore vraiment tous décidé. Bon, évidemment, faire générer tout le devoir par ChatGPT, c'est pas bien, mais s'en servir pour avoir un peu une intuition, pour démarrer, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas mal. Donc ces zones-là, elles sont délicates. Et donc je vais vous montrer trois exemples d'usages qui ne sont pas encore forcément très répandus, mais quand même. Et puis surtout, essayer de vous donner l'intuition de comment quelqu'un comme moi, qui fait de la recherche comportementale, essaie de, disons, de simplifier au plus possible la situation du monde réel pour pouvoir la faire en laboratoire avec des cobayes humains et essayer par ces expériences-là d'anticiper de quel côté pourrait basculer l'opinion publique dans le futur. Donc, premier exemple, d'abord, il faut que vous compreniez un jeu. Donc, je vous l'explique. Donc, imaginez, c'est un jeu auquel on peut jouer. Vous et moi, vous démarrez avec 10 euros et moi 0. Maintenant, vous avez un choix à faire. Vous pouvez décider que vous ne me faites pas confiance. À ce moment-là, vous gardez les 10 euros et vous partez, et ça s'arrête, et moi j'ai 0. Ou vous pouvez décider de me faire confiance. Si vous me faites confiance, vous me confiez les 10 euros que vous aviez. Donc vous ne les avez plus pour l'instant. Moi, je les fais fructifier. D'accord ? Ces 10 euros, ils se transforment en 30 dans mes mains. Et maintenant, j'ai un choix à faire. Soit je garde tout, soit je partage 15-15 avec vous. Donc évidemment, si vous me faites confiance et que je suis digne de confiance, on aura 15 chacun. Donc c'est mieux pour vous. Mais si vous m'envoyez l'argent, vous prenez le risque que je décide de garder les 30 et vous repartez avec 0. Donc ça, c'est un jeu qu'on appelle le jeu de la confiance et que les psychologues et les économistes utilisent tout le temps. Parce qu'on peut faire plein de variations autour pour voir ce qui va faire que les gens font plus ou moins confiance aux autres. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, dans un cas, je vous écris un petit message par texte pour vous dire, allez, vas-y, s'il te plaît, fais-moi confiance. C'est promis, je vais partager. Donc je l'écris moi-même, mais je peux aussi faire écrire le message par ChatGPT. Donc j'ai dit à ChatGPT, voilà les règles du jeu, donc j'ai besoin de ton aide, écris-moi un message qui va vraiment convaincre la personne de m'envoyer l'argent. Et là, quand on fait ça dans un laboratoire avec des gens, on peut en regarder plein de choses. Parce qu'on peut regarder déjà si la deuxième personne, c'est-à-dire moi, dans le cas présent, ok ? Non, oui, excusez-moi. Non, si vous ne savez pas que j'ai utilisé ChatGPT et que je l'utilise, est-ce que ChatGPT est effectivement plus performant que moi pour écrire le message ? Déjà, je peux regarder juste ça. Est-ce que ChatGPT est plus performant qu'un humain pour écrire un message qui va générer la confiance ? Est-ce que si j'ai utilisé ChatGPT pour écrire le message et qu'il a réussi à vous faire confiance, j'ai plus ou moins de chances de partager avec vous à l'arrivée ? Parce que bien sûr, le problème, c'est que peut-être que si j'écris moi-même le message et que je vous ai dit « Allez, je jure, je vais partager »,
et que vous m'envoyez l'argent, je peux me sentir un peu coupable, peut-être, de tout garder, parce que j'ai vraiment menti, là. Mais si j'ai fait écrire le message par ChatGPT, qui a dit « Allez, il faut y aller, fais-moi confiance », et que vous me faites confiance, est-ce que je suis tenu par une promesse, là ? Est-ce que je ne vais pas pouvoir me raconter une histoire comme quoi ce n'est pas vraiment moi qui ai promis, c'est ChatGPT, donc ce n'est pas si malhonnête si je garde tout l'argent ? Et puis, bien sûr, on peut aussi rendre les choses transparentes. Et maintenant, vous savez que j'ai fait écrire le message par ChatGPT. Qu'est-ce que ça va changer à votre comportement ? Si vous savez que je n'ai pas pris la peine d'écrire le message tout seul et que je l'ai fait écrire par une machine, est-ce que vous allez vous dire « je ne peux pas faire confiance à cette personne » ? J'aimerais bien vous donner toutes les réponses, mais on est en train de le faire. C'est promis, j'aurai plus de réponses d'autres moments. Vous voulez des réponses ? Bon, alors, c'est en cours, hein. ChatGPT n'est pas très très fort. En fait, dans les expériences qu'on a, le problème c'est que ChatGPT, il est hyper poli, quoi. Il est hyper formel, il écrit avec de la ponctuation et tout, et ça ne fait pas naturel. Les gens font « waouh, c'est qui cette personne qui me parle ?» Quand on compare aux messages que les humains envoient, où il y a des fautes partout, des abréviations, des émojis. Donc là, ça fait naturel, ça fait sincère. ChatGPT, ça fait un peu « qui vous êtes, monsieur là ? Comment vous me parlez ?» Est-ce que d'avoir utilisé ChatGPT, ça va influencer ma décision ? Ben, vous savez quoi, j'en suis pas encore sûr. Par contre, le fait que vous n'allez pas me faire confiance, oui. Si j'ai fait écrire le message par ChatGPT et que vous le savez, en fait, on a même des versions de l'expérience où on vous dit, ça c'est le message que la personne a écrit par ChatGPT, mais si vous voulez, vous pouvez payer 3 euros pour faire rapidement une visio avec la personne pour vérifier. Donc vous faites payer le droit de complètement court-circuiter la messagerie par IA pour voir en personne la personne qui a écrit, pour voir si vous pouvez lui faire confiance. Ok ? Ok, j'accélère ? Non, ça va. Donc, deuxième exemple. On va avoir un peu la même logique, mais j'ai commencé par le jeu le plus compliqué. Maintenant, je vais vous faire le jeu le plus simple qui existe en économie comportementale. Ça s'appelle le jeu du dictateur. Pardon. Ça s'appelle le jeu du dictateur. Le jeu du dictateur, c'est à peine un jeu. Hein. C'est moi, j'ai 10 euros et je peux partager comme je veux avec vous. J'ai complètement le choix. Je peux tout garder, je peux vous envoyer 1 euro, 2 euros, mais je fais vraiment ce que je veux. C'est à peine un jeu, d'accord ? Mais c'est quasiment la base de l'économie comportementale, ce jeu, parce qu'on ne fait pas plus simple et on n'a jamais trouvé mieux pour avoir un indice de la générosité des gens les uns avec les autres. Hein. Leur donner de l'argent et leur dire « vous pouvez partager comme vous voulez avec quelqu'un ». Donc ce qu'on a fait, c'est par exemple faire ça, mais avec cette version où on est en fait en visio. Donc moi, j'ai 10 euros, et vous êtes en visio avec moi, et vous essayez en 30 secondes de me dire pourquoi il faut vous envoyer de l'argent. Vous essayez de me convaincre que la bonne chose à faire, bah, c'est de partager, et qu'il ne faudrait pas que je sois égoïste. Enfin, vous utilisez les arguments que vous voulez, mais vous le faites en visio avec moi. Donc on fait ça avec les gens, okay, et on voit si vous avez réussi à me convaincre de partager 5-5. Et puis on a une condition où on offre la possibilité au dictateur, c'est-à-dire ici à moi, à la personne qui est en possession de 10 euros, on lui dit « Ok, vous avez un bouton là, pendant la visio, et si vous l'utilisez, ça va flouter le visage des gens quand ils parlent. » Donc vous êtes en train, vous ne le savez pas, vous êtes en train de me parler et on a ce petit filtre IA qui est sympathique. Alors il est assez mal représenté ici parce qu'il floute tout, mais en fait il est vraiment concentré sur les traits du visage, les endroits qui indiquent des émotions et il brouille tous les endroits du visage qui communiquent les émotions. Et on s'aperçoit que quand on offre cette possibilité aux gens, non seulement ils le font, ils brouillent le visage de la personne qui est en train de leur dire « s'il te plaît, vraiment, sois pas égoïste, donne-moi de l'argent », et quand, comme ils ont réussi à brouiller les traits du visage de cette personne, ils arrivent à se détacher et ils gardent tout l'argent. Donc là, vous voyez, c'est un filtre. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ce n'est pas utiliser un filtre qui fait que mon apparence change quand les autres me voient. C'est qu'avec l'IA, je commence à avoir le pouvoir aussi d'infliger des filtres aux gens. C'est-à-dire que vous êtes en visio avec moi et je modifie votre visage, votre voix, votre apparence d'une façon qui peut-être va me rendre plus, disons, confortable psychologiquement de vous arnaquer ou de ne pas vous récompenser. Donc ça, on pourrait se dire que c'est encore assez anecdotique,
parce que ce n'est pas vraiment utilisé dans les applications qui sont disponibles. Sur un réseau social, il n'y a pas vraiment de possibilité d'appliquer un filtre au visage des autres, ou quand vous êtes sur Zoom, il n'y a pas vraiment la possibilité de modifier le visage des autres, mais ça va arriver très très vite. Et en fait, d'ici quelques mois, Apple sort son nouvel appareil, le Vision Pro, donc qui est un appareil de réalité virtuelle augmentée, enfin, c'est assez subtil, mais qui en fait est fait ultimement, une fois qu'ils ne seront plus à la génération 1 où on a un gros truc sur la tête et une batterie à la hanche, un truc qui est fait en principe pour qu'on puisse le porter au quotidien avec les gens. Et je prends le pari avec vous que le marché immense pour ce genre d'appareil-là, ça va être précisément tous les filtres IA qui permettent de changer l'apparence des gens autour de nous. Que ce soit l'apparence du décor, mais essentiellement l'apparence des gens avec qui on interagit. Peut-être que j'ai envie que tous les gens avec qui j'interagis soient super beaux physiquement. Donc je mets mes lunettes connectées, et tout le monde, boum, je mets un filtre qui les rend beaux. Ou peut-être j'ai des complexes et je mets un filtre qui rend tout le monde laid. Et je me sens mieux. Et donc maintenant, dernier exemple. Alors celui-là, je ne vais pas vous donner des exemples d'expérience vraiment, je vais juste vous décrire l'exemple dans le monde réel, parce qu'on commence tout juste à travailler et on ne sait pas encore très bien comment on va essayer de le simuler dans un laboratoire. Mais l'exemple en lui-même, il est suffisamment frappant, vous allez voir, pour que je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail d'expérience pour que vous compreniez l'enjeu. Donc l'enjeu, le domaine d'application, c'est les filtres vocaux, et en particulier, pour l'instant, les filtres vocaux qui sont déployés dans les centres d'appel. Donc vous appelez un centre parce que vous avez un problème à résoudre, et vous tombez sur la personne qui fait le SAV d'Orange ou je ne sais pas quoi. Et ces centres-là ont commencé à déployer des filtres vocaux qui transforment la voix de l'employé en temps réel quand vous êtes au téléphone avec la personne. Donc ça peut avoir au départ ça peut être des transformations assez anodines. Par exemple, on va filtrer la voix pour que les propriétés acoustiques soient changées, pour que la personne soit plus intelligible, que ce qu'elle dit soit plus clair, qu'on comprenne plus facilement. Donc là, personne ne va se plaindre, c'est un peu comme votre téléphone qui, quand vous êtes au téléphone, enlève les bruits de la rue autour de vous pour que la personne avec qui vous téléphonez vous comprenne mieux. Donc on peut augmenter un peu l'intelligibilité de la voix des gens. Là où ça devient un peu plus bizarre, c'est que certains centres maintenant déploient ce qu'ils appellent le filtre sourire. Donc ça, c'est quoi ? C'est qu'on a un réseau, un transformer, qui a été entraîné à changer les paramètres de la voix pour refléter la différence qu'il y a quand vous parlez sans sourire et quand vous parlez en souriant. Donc ça, c'est une transformation assez prédictible, et on peut avoir des filtres qui donnent aux gens la voix qu'ils auraient s'ils étaient en train de sourire. Et donc, on applique ça aux employés du centre d'appel. Donc, la personne que vous avez au téléphone, il faut comprendre qu'elle parle sans faire aucun effort. Et vous l'entendez comme si elle était à fond pour vous aider, sourire, joyeuse, etc. Ça, il y a des performances sur la satisfaction client qui sont hallucinantes. On est sur des plus 50, plus 100% de satisfaction client. Et en plus, c'est pas mal pour l'employé, parce que l'employé n'a pas à faire ce qu'on appellerait le labeur émotionnel, d'avoir et d'être toute la journée avec la voix serviable et joyeuse. Donc pour l'employé, c'est plus confortable. Pour le client, c'est génial, parce qu'ils sont très très contents d'avoir une personne aussi souriante au téléphone. Donc finalement, on a envie de dire, pourquoi pas, d'accord ? Ça, c'est acceptable. J'ai envie de dire, le seul argument que des gens ont avancé, c'était que... je ne le donne pas, puisqu'on me dit que j'ai 2 minutes, et que je vais quand même vous dire le principal. Donc maintenant, je vais passer au truc le plus critiqué en ce moment. C'est ce qu'on appelle le filtre accent. Donc j'ai un problème, je contacte un centre d'appel. Comme ça arrive souvent, l'employé a un peu de mal à trouver une solution à mon problème. Il se trouve que l'employé a un accent. Donc en France, ça va être typiquement un accent marocain. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a tendance à localiser les centres d'appel au Maroc. Donc l'employé a un accent. Et comme je suis un peu raciste, cet accent-là, plus le fait qu'elle ne trouve pas de solution à mon problème, je commence à m'énerver et je lui parle mal. Et je lui parle mal, ça peut être des injures racistes. Ça ne va pas résoudre mon problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Cet accent-là a déclenché chez moi des biais qui ont fait que j'ai été hostile avec l'employé. Ça a rendu toute l'interaction hostile. Mon problème n'est pas résolu. Y a des filtres pour ça.
Donc on peut très bien employer un filtre IA qui enlève l'accent de la personne. Donc l'accent de la personne est enlevé, je réagis très bien parce qu'encore une fois je suis une personne avec mes biais et ma discrimination, donc je suis plus poli, je suis moins énervé, je parle bien à l'employé, mon problème est résolu. Ça c'est réel, hein. Il y a des centres d'appel qui utilisent les filtres qui enlèvent les accents pour que les gens qui seraient un peu racistes soient un peu plus à l'aise et que les problèmes soient mieux résolus. Donc ça, les employés sont très contents parce que le témoignage en général c'est OK, une fois que vous avez pris 15 clients dans la journée qui vous envoient des injures racistes, vous en avez un peu marre. Donc si vous pouvez employer un filtre qui va éliminer les injures racistes, bah, c'est super. Les clients sont contents parce que leurs problèmes sont mieux résolus. Le management est content parce que ça fait plus de chiffres. Tout le monde est content. Tout le monde gagne. Donc c'est super, non, on n'a qu'à le faire. Mais il y a quand même des gens qui sont un peu mal à l'aise, qui disent OK, c'est ça la société qu'on veut ? Je veux dire, je comprends qu'on n'ait pas fait des efforts extraordinaires, mais depuis quelques décennies, on essaie de faire des efforts pour que les gens soient respectés, quelle que soit la façon dont ils parlent, quelle que soit la façon dont on les voit. Donc, cette société qui essayait péniblement d'aller vers plus d'inclusion, on va dire qu'en fait, ben non, on a une super solution technologique. Maintenant, c'est pas de la responsabilité des gens d'être plus respectueux envers les uns envers les autres, c'est de la responsabilité des gens qui sont différents d'appliquer le bon filtre pour ressembler aux autres. Donc là, on ne sait vraiment pas quoi faire. Est-ce qu'il faut respecter la volonté des gens qui vous disent « Ben, écoutez, c'est une excellente solution pour moi que d'utiliser ce filtre, ça rend ma vie meilleure » ou bien est-ce qu'on dit aux gens « Ben non, il va falloir serrer les dents parce qu'on considère qu'une solution technologique de court terme comme ça, ça va conduire à une société dont on ne veut pas ». C'est promis, j'arrête. Merci. Est-ce qu'on a des dernières questions ? On va en prendre 4 pareilles. 1, 2, 3. C'est bon. Et on avait une juste en bas. Juste en bas, ici. Juste là. Pardon. On peut commencer avec la personne qui a le micro en haut. Moi ? Oui. Bonjour. Moi, c'est Lorelai du lycée Louis-le-Grand. Et je me demandais si ce ne serait pas intéressant de songer à limiter de manière très conséquente l'utilisation des IA, puisqu'elle pourrait entraîner une sorte de perte de l'intuition chez l'humain, ou plutôt de la débrouillardise, puisqu'on confie toutes nos tâches à un IA. Et donc finalement, même par exemple, rien que pour rédiger une lettre de motivation, on ne va même pas chercher une formulation précise. Ou par exemple, si on utilise des filtres pour l'accent, comme vous mentionniez tout à l'heure sur l'accent, notre cerveau ne sera plus habitué à la difficulté. Et donc ça, ce serait un premier problème. Et un autre problème serait une détérioration des liens humains, puisqu'on utiliserait comme intermédiaire les IA, et on n'aurait plus vraiment de lien direct entre humains. Donc la première partie de la question, c'est cette idée d'atrophie. C'est-à-dire que les gens auraient certains muscles mentaux et à utiliser une machine pour réaliser l'action, leurs muscles s'atrophieraient. Donc ça, c'est une très vieille peur, hein, parce que quand Google est apparu, déjà, les gens disaient qu'avec Google, plus personne ne ferait l'effort de mémoriser des choses et que donc les gens allaient perdre leur mémoire. Quand les GPS sont apparus, on a dit que les gens ne seront plus capables de lire une carte. J'ai pas envie de dire que c'est infondé, mais c'est en général très exagéré. Disons, on n'a pas réellement, avec le recul, quand une nouvelle technologie arrive qui permet de réaliser une tâche mentale, on n'a pas d'exemple qu'il y aurait une atrophie du muscle mental, en gros, qui permettrait de faire ces choses-là. C'est peut-être vrai pour des choses vraiment très très spécifiques, comme le calcul mental, où, bon, depuis que des calculatrices existent, effectivement, peut-être qu'il y a moins de pression sur les gens pour apprendre à faire du calcul mental, compliqué. Mais de façon générale, ça semble très très rare les cas où ce genre de choses se produisent. Ensuite, pour ce qui est de la question du lien humain, là, c'est compliqué de vous dire que ce n'est pas vrai, puisqu'il y a une bonne chance que ça soit vrai, mais tout le problème, c'est de quantifier ce que ça veut dire.
Tout notre problème à nous, quand on est dans les sciences sociales comportementales, et qu'on se pose ce problème du genre, est-ce que le fait que les interactions humaines soient filtrées par l'IA vont amener à une certaine détérioration des relations humaines, c'est que ben, maintenant, il nous faut une façon de quantifier ça. Il faut qu'on trouve un indice de qualité des relations humaines pour essayer de voir si cet indice-là va se détériorer par l'IA. Et je n'ai pas l'impression que, pour ce problème particulier, on ait bien trouvé ce système de quantification. Bonjour, je voudrais vous poser une question par rapport au fait que si on utilise toujours des filtres, pas sur les autres, mais sur nous-mêmes, est-ce que ça... Merci. Est-ce que ça ne pourrait pas engendrer des problèmes de confiance en soi et de vouloir au point de vouloir être comme sur les filtres, même à faire des chirurgies esthétiques par rapport à cela? Donc ça serait l'idée que si je prends l'habitude dans des interactions filtrées, où j'ai mon filtre qui me fait apparaître comme je veux, je commence à avoir peur des interactions non filtrées, par exemple. Je commence à me dire, tous les gens me connaissent avec un certain filtre et j'ai peur de les rencontrer dans la vie réelle. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu une peur qui nous vient des réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire que j'ai cette personnalité sur les réseaux sociaux que je présente de façon très très soigneuse, et ça peut arriver que j'ai peur de rencontrer des gens en vie réelle, parce qu'ils ne vont pas avoir cette version-là de moi. Donc je comprends l'origine de la question. J'ai presque envie de dire que j'ai envie de prendre l'autre côté. C'est peut-être mon incurable techno-optimisme que peut-être dans une société où on commence à complètement normaliser l'idée que les gens peuvent utiliser l'IA pour transformer leur apparence, eh bien on va tous commencer à être un peu plus tolérants des variations entre les apparences virtuelles et réelles des gens. Mais je comprends que vous allez être plus convaincante que moi quand vous posez la question sur le versant pessimiste. Ouais. Je crois aussi que ça donne aux gens, peut-être il faut aussi considérer l'impact que peut avoir une normalisation de ce genre pour des gens dont c'est pas seulement qu'ils veulent un léger changement de leur apparence, ils ont une identité différente. Ils veulent vraiment être vus d'une façon qui est assez différente de leur apparence physique. Ça peut être des problématiques de genre. Et ma foi, offrir un nouvel outil aux gens et cette nouvelle idée que les gens ont le droit de modifier leur apparence technologiquement pour donner une apparence qui les fait se sentir plus à l'aise, eh bien, c'est peut-être une piste qu'il faut explorer socialement. Bonjour, je m'appelle Caetano Ramasamy, élève à Charles de Gaulle, je suis là. Ouais. Depuis le début, chaque intervenant et intervenante nous ont dit que l'homme a une conscience que l'IA n'avait pas. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'un jour l'IA aura une conscience et est-ce qu'elle aura à peu près la même conscience que l'homme? Est-ce que c'est un but? Et si oui, ça aura quel effet par rapport à notre société? Alors, je vais juste faire un déplacement de mots. Parce que des fois, quand on parle de conscience, on parle de trucs différents. Il y a l'idée de la conscience. L'humain a une conscience que, par exemple, la fourmi n'a pas. Enfin, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que vous parlez plutôt de conscience morale, quoi. C'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, plutôt que juste le fait d'avoir une conscience. Donc, si on parle de la conscience du bien et du mal, ou disons de la connaissance du bien et du mal, il y a un champ qui s'appelle l'éthique computationnelle, en fait, dont le but est d'essayer de doter des systèmes d'intelligence artificielle d'une connaissance du bien et du mal. Alors, c'est assez restreint comme usage, parce que très souvent, quand une IA fait quelque chose d'immoral, elle le fait parce qu'elle fait une erreur dans une tâche qui n'avait rien de moral au départ. Donc quand une IA fait de la reconnaissance faciale ou la transformation, où on dit « donne-moi une apparence plus professionnelle » et qu'elle produit une photo où elle a changé votre groupe ethnique, elle fait quelque chose d'immoral, mais la tâche au début qu'elle avait n'avait rien de moral. C'était juste « donne-moi une apparence plus professionnelle ». Donc dans beaucoup de cas, en fait, l'IA n'a pas besoin d'avoir de connaissances de la morale, elle a juste besoin d'avoir de meilleures performances, quoi, pour éviter les choses immorales. Mais il y a des cas assez rares où l'IA pourrait avoir
besoin d'encoder la morale, c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont de nature morale. Donc ma spécialité, c'est les voitures sans conducteur, le problème qui m'a rendu célèbre, c'est précisément celui-là, c'est-à-dire si une voiture sans conducteur va avoir une collision et qu'elle doit choisir entre différentes victimes, comment elle fait le choix moral de savoir quelle vie vaut plus que l'autre, ou qui dans l'accident doit être sauvé. Et ça, ce n'est pas une décision du type éviter l'erreur, c'est une décision pour laquelle l'IA a besoin d'être dotée de principes moraux. Donc je ne dis pas qu'on y est arrivé, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est même pas un rêve philosophique ou de science-fiction, c'est un objectif pour certaines applications. Merci. On va pouvoir prendre une dernière question, et ce sera celle-ci tout au fond. Bonjour, je m'appelle Zaïta Narges du lycée Jean Rostand Mantes-la-Jolie. Je voulais vous demander, vous avez dit que l'IA, elle peut avoir accès à nos données mobiles, même si on interdit cet accès. Donc comment on peut vraiment avoir confiance en l'IA en cachant nos données mobiles alors qu'elle peut les exposer, s'il vous plaît. C'est peut-être pas moi qui ai dit ça. Hein. Quand vous dites que l'IA a accès à nos données, je ne sais pas où. Est-ce que la question c'était la protection de la vie privée, ça Oui. 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 Pardon, c'est peut-être plutôt pour Suzanne alors. Moi, je vais essayer de répondre rapidement. Je pense qu'en fait, c'est pas seulement un problème qui est lié au développement de l'intelligence artificielle, c'est un problème qui est beaucoup plus transversale dans toutes les technologies actuelles du numérique. On parlait pendant la pause justement des modèles économiques des grandes entreprises qui sont souvent fondées sur l'exploitation de nos données à tout un chacun. Et je prendrais peut-être juste un exemple en lien avec l'IA. C'est des logiciels qui, à partir d'une photo, vous vieillissent ou vous rajeunissent. Donc ça, c'était un petit peu les exemples. Et en fait, bizarrement, les entreprises qui proposent ces logiciels, elles ne le font pas uniquement parce qu'elles ont envie de vous faire rire, de partager sur les réseaux sociaux. C'est aussi parce qu'elles entraînent des intelligences artificielles en matière de reconnaissance faciale. Et le fait d'avoir un corpus de photographies de visages va énormément les aider. Donc vous avez l'impression en tant qu'individu de faire quelque chose qui est agréable, sympathique, etc. Mais en réalité, derrière l'intérêt économique de l'entreprise, qui est d'ailleurs le plus souvent caché, c'est de faire quelque chose qui ne va pas forcément vous être utile, ou en tout cas qui ne va pas forcément être la société vers laquelle on a envie d'aller. Et donc, en un mot, la question de la manière dont on protège les données à caractère personnel aujourd'hui est très difficile. Très difficile à résoudre. Il y a un règlement européen sur ce sujet qui est un texte un peu fondateur qui inspire beaucoup d'autres pays dans le monde, qui est le RGPD, et qui pose des principes. Et on voit ces derniers mois des sanctions très très importantes avec des montants très élevés, notamment contre TikTok, 350 millions d'euros, parce que justement ils ne protègent pas correctement les données des mineurs. Merci. Merci Suzanne et merci Jean-François Bonnefond. On peut tous les applaudir. Et merci à vous surtout. Je pense que le point essentiel de cette séance à comprendre, c'est que l'IA, ce n'est pas du tout ce robot très sophistiqué qu'on peut voir dans les films hollywoodiens, ou ces réseaux neuronaux qu'on essaye de voir à chaque fois qu'il y a un article avec une couleur très bleu pétante et très futuriste. En réalité, l'IA est dans la plupart des objets qu'on utilise au quotidien. On l'utilise au quotidien, même si on n'utilise pas ChatGPT, en fait, on utilise quand même de l'IA, ou bien elle nous utilise. Et ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on l'a vu, c'est qu'à la fois l'utilisation de l'IA peut être très positive, comme elle peut être très négative.
Et en réalité, c'est ça ce qu'il faut comprendre comme message de la journée et ce que s'efforce de faire le campus de l'innovation pour les lycées Sciences Po et le Collège de France, en fait, c'est travailler cette nuance qu'aujourd'hui l'IA n'a peut-être pas encore, parce qu'elle ne nous remplacera pas à ce sujet-là, et c'est travailler son esprit critique. Et donc c'était la première fois peut-être que vous avez autant parlé d'intelligence artificielle, mais sûrement pas la dernière, et c'est important pour vous, au lycée et dans la vie future, en fait, de continuer à regarder des vidéos à ce sujet, de lire à ce sujet, de vous éduquer, parce que si vous voulez l'utiliser et qu'elle ne vous utilise pas, c'est la seule chose à faire pour aussi s'en défendre. Je vous remercie et je remercie surtout ce super panel et tout le monde. Mais après, ça s'est avéré.